J'avais raison. Bonjour à toutes et à tous. Merci de pour celles et ceux qui suivent cette troisième journée donc de notre session pour le vote du budget primitif 2021. Et donc nous allons procéder à l'appel. Je demande à Myriam Bijard, secrétaire de séance, de bien vouloir procéder à l'appel. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Nous avons pouvons constater votre présence au travers de l'outil de visioconférence. Voilà, la parole à Myriam Bijard. Est-ce que Myriam Bijard est en ligne? Ah. Souci technique, notre secrétaire de séance est-elle en ligne? Est-ce qu'on peut me confirmer que Myriam Bijard est bien en ligne? Myriam, est-ce que tu nous entends? Si c'est le cas, il faut brancher ton micro. Est-ce que Karine Président, bonjour, je Ah. suis bien en ligne, je reprends le contact dans une seconde. Désolé, un petit problème technique. Bien, est-ce que Myriam, est-ce que tu nous entends? Sinon, je vais proposer à Karine Fouquet, si Karine est en ligne, pour nous procéder à l'appel. Karine? Oui, je suis bien en ligne. Il faut juste m'envoyer le listing et je peux vous faire l'appel. Bonjour, Président. Bon, écoutez, je crois que je vais faire l'appel moi-même parce que je vois que le listing n'est pas. Alors, Jérôme Alemany, Rodolphe Présent. Amaillan, Stéphane Baugé, Oui. Jean-Pierre Bernard, Pierre Bertin, Jean-Luc Beignet, Yannick Bigot, Myriam Bijard, Pascal Bouleau, Erwan Bouvet, Chantal Brière, Marcel Chapeau, Jean Charrier, Bertrand, Présent. Catherine Siron, Anne-Marie Cordier, Daniel Cornet, Hervé Corouge, Anaïs Cotonnec, Marie-Christine Curodeau, Vincent Danis, Bernard Douault, Anne-Sophie Douet, Elisa Drillon, Véronique Dubetier-Grenier, Karine Fouquet, Bernard Gagné, Marie-Paul Gaillochet, Claude Gauthier, Patrick Girard, Carole Grelot, Philippe Grosvalet, François Guillot, Abbassia Hakem, Françoise Améon, Yannick Horry, Freddy Hervochon, Liliane Jean, Samuel Landier, Bernard Lebault, Charlotte Lucchio, David Martineau, Lydia Ménien, Michel Ménard, Gatien Meunier, Serge Mounier, Christine Corrin, Fabienne Padovani, Agnès Parago, Karine Pavisa, Ali Rebou, Daniel Rival, Alain Robert, Fanny Salé, Nelly Saurin, Malika Tarabi, Catherine Touchefeu, Claire Tramier, Laurent Turquois, Christiane Van Gutem, Marcel Verger et Nadine You. Voilà, tout le monde est présent, en tout cas, on a pu le confirmer. Très bien, mes chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes réunis ce matin pour voter le budget primitif pour l'exercice 2021. Et ce, au moment où notre pays traverse une crise tout à fait exceptionnelle. Ce budget qui vous sera proposé est un budget ambitieux et se veut être tout à la fois un budget de crise et de combat, en témoignent les investissements records qui seront proposés. Il n'est à n'en pas douter le reflet de la dynamique partenariale qui s'est installée sur nos territoires, grâce notamment aux acteurs locaux qui agissent au quotidien pour le bien public. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce budget, et particulièrement l'ensemble des agents du département, sans qui rien de tout ce que nous décidons ne serait possible.
Et puisque ce budget est le dernier de cette mandature, je voudrais vous adresser à toutes et tous mes plus sincères remerciements pour votre engagement plein et entier tout au long de ces 6 années, quelle que soit la place que vous occupez au sein de cet hémicycle, le tout est service évidemment des plus démunis de notre département. Merci de votre attention et sans plus attendre, je donne la parole à Catherine Touchefeu. Président, j'aurais souhaité un petit propos introductif rapide, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu la demande de parole. La parole à Gatien Meunier. Oui, Président, j'interviens dans un tout autre registre et je voudrais m'élever, comme on avait un grand nombre d'entre nous, contre les tags injurieux, contre ces pratiques qui se multiplient aujourd'hui sur notre territoire et en particulier dans notre département. Tags, insultes et menaces qui ont été adressées au maire de Bouguenay, Sandra Impérial. Je pense que ce sont des pratiques que l'on doit unanimement condamner. J'ai devant moi également le communiqué de l'AMF de Loire-Atlantique qui effectivement dénonce aussi ces pratiques. Elles se multiplient sur notre territoire. Cela va parfois jusqu'à des échanges de coups. C'est absolument impardonnable et je pense que nous devrions être unanimes à condamner ce type de comportement à l'endroit des maires, des élus de notre territoire. Voilà le propos que je tenais à dire, Président. Je vous remercie. Merci, cher collègue, et à n'en pas douter, nous sommes évidemment unanimes contre toutes ces marques d'irrespect, parfois pire, de violence, voire même encore pire, puisque des maires sont décédés hein, sous les coups de concitoyens en assurant le bien public. Donc, évidemment, je pense pouvoir parler au nom de l'ensemble de l'Assemblée pour dire que nous condamnons fermement toutes ces marques qui sont, quand elles sont parfois sur les murs, au vu de tous et de toutes, mais plus encore d'ailleurs sur les réseaux sociaux parfois, où les uns et les autres, pour afficher nos convictions et nos valeurs, sommes parfois insultés. Et donc nous sommes évidemment en soutien total à Madame la maire de Bouguenay et à tous les élus de Loire-Atlantique, mais bien au-delà de France, qui sont victimes d'injures, les élus et tous celles et ceux qui défendent leurs convictions. Merci, donc je donne la parole à Catherine Touchefeu pour les dossiers culture. Merci, oui, bon, Catherine Touchefeu. Bonjour à toutes et tous, donc je vais débuter cette journée par les dossiers culture. Alors la culture, essentielle ou pas essentielle? Depuis le début de la crise Covid, la question nous est posée. Et à travers elle, une question plus générale. Qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies? Que faut-il préserver, prioriser dans une période de crise comme celle que nous vivons? Bien sûr, rien n'est évident. Et confronté à l'inconnu, les réponses s'élaborent au fur et à mesure. Mais je crois qu'il faut s'interroger à chaque instant sur les choix qui sont faits. Qu'est-ce qui explique que tous les commerces soient ouverts hormis les bars et les restaurants et que les musées, les salles, les cinémas restent fermés? Qu'est-ce qui explique que l'on soit incité à faire ses courses le dimanche et que l'on ne puisse pas aller au théâtre? Que l'on puisse aller dans une galerie acheter une œuvre d'art, mais pas aller voir une exposition dans un musée. À travers les choix qui sont faits, c'est, je crois, une façon de penser la société qui s'exprime. Alors aujourd'hui, au-delà des restrictions, des protections indispensables pour préserver des vies, il s'agit pour nous de dire comment, à travers le budget 2021, participer à l'indispensable soutien au monde de la culture qui est profondément fragilisé par la crise. Ouest France s'en faisait d'ailleurs l'écho hier. Donc je vous propose de dégager quelques axes de cette politique, qui est une politique très transversale, à l'aide de 4 familles d'action. Sécuriser, développer les solidarités, innover et enfin préparer l'avenir. Sécuriser d'abord. Parce que l'enjeu est bien de préserver le maillage du tissu culturel. Et pour cela, le département mobilise plusieurs outils. Le Fonds citoyenneté. Dès le début de la crise, Philippe Grosvalet a annoncé la mise en place
d'un fonds de soutien à la citoyenneté et les retours sur, ce fonds ont été très positifs, tant pour l'aide apportée que pour les méthodes de travail adoptées. Dossier commun avec la ville de Nantes et la ville de Saint-Nazaire, instruction commune, regard partagé, avec également la DRAC, les services de la région et des représentants des professionnels. Alors, en 2021, le fonds de soutien est prolongé. Le maintien des subventions, deuxième outil, annoncé rapidement pour 2020, nous avons également indiqué aux nombreuses associations que nous avons rencontrées que c'était le cadre dans lequel on travaillait pour 2021. Ensuite, l'appui des structures ressources, et particulièrement des trois structures ressources du département, qui ont, je crois, fait la preuve de leur importance pour permettre le maintien d'une certaine activité culturelle et apporter leur soutien à des acteurs qui sont parfois isolés et fragilisés. Alors, bien sûr, le Grand T, qui se prépare en 2021 à une saison hors les murs, Musique et danse en Loire-Atlantique, qui a animé une plateforme Covid pour partager les difficultés et se repérer dans les règles complexes et changeantes au cours des différentes étapes de l'épidémie. Alors, pour Musique et danse en Loire-Atlantique, nous proposons en 2021 une augmentation afin de leur permettre de pérenniser un mi-temps pour faire face aux nouveaux enjeux à venir. Et enfin, le cinématographe, qui accompagne de nombreux cinémas associatifs du département et notre plan collège au cinéma. Mais il ne faut pas oublier le rôle des structures du département, comme les archives départementales. Vous voyez une image de l'exposition Apothicaires et pharmaciens du remède aux médicaments que j'espère nous pourrons voir vraiment bientôt, parce que la thématique était prévue avant la crise, au moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est d'actualité. Alors aujourd'hui, les archives poursuivent toutes leurs activités, elles sont ouvertes au public avec une jauge limitée, mais pour ce qui est de l'exposition, elles ne peuvent pas l'ouvrir au tout public. Enfin, dernier outil, toujours avec l'objectif de stabiliser et sécuriser, deux mots sur l'adaptation du plan de lecture publique et du plan d'enseignement et des pratiques en amateur. Ces plans impliquaient des évolutions qui pouvaient paraître difficiles à mettre en œuvre dans un moment de crise. Nous avons donc proposé de les mettre en mode pause pour un an et nous avons indiqué aux écoles de musique que les subventions de 2020 seraient reconduites à l'identique à 2021. Ensuite, la deuxième famille d'actions que nous développons à travers ce budget, c'est développer l'action culturelle et les solidarités. La culture, ça doit être l'affaire de toutes et tous, et pour cela, il est important de permettre la diversité des pratiques culturelles et leur accessibilité dans tous les sens du terme à l'échelle du territoire de la Loire-Atlantique. C'est le sens des projets culturels de territoire qui continuent à se développer. Nous avons eu une série de comités de pilotage ces dernières semaines. Aujourd'hui, 10 territoires sont inscrits dans cette démarche. Et la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, la BDLA, au-delà de son action globale, est très impliquée sur les PCT. La solidarité territoriale passe aussi par des actions plus modestes, mais qui prennent leur sens dans leur territoire, et dans ce cas-là, elles sont accompagnées dans le cadre de la ligne Action culturelle de proximité. La culture pour toutes et tous, la culture partout, se matérialise aussi à travers le soutien aux pratiques en amateur, mais aussi à travers le plan bien connu Grandir avec la culture. Je ne m'y attarde pas, mais il est extrêmement important. Et en ce moment, l'action culturelle dans les établissements permet à quelques artistes du spectacle vivant de jouer malgré des conditions très dégradées. Alors, en 2020, je vous avais proposé de formaliser aussi la convergence des politiques culturelles et des politiques sociales du département avec la création d'une nouvelle ligne budgétaire qu'on avait appelée « Lien culture sociale ». Cette ligne est reconduite en 2021. Les délégations ou les structures culturelles et des structures sociales peuvent ainsi construire des projets permettant la découverte et la pratique d'activités culturelles. Troisième famille d'action, s'organiser et innover. D'abord, s'appuyer sur des réseaux. Parce qu'il ne faut pas se retrouver seul face à la crise. Et le rôle des réseaux s'est révélé vraiment important. Et qu'il s'agisse, pour ce qui nous concerne, du réseau Scala, animé par le cinématographe, ou du RIPLA,
animé par le Grand T et par Musique et Danse Loire-Atlantique, et des différents réseaux qui ont fonctionné pendant cette période-là. Alors, dans le domaine du patrimoine, particulièrement, les associations sont souvent très isolées, et c'est pour ça que nous avions engagé déjà depuis quelque temps une démarche de partage des pratiques. Alors, en 2020, nous n'avons pas pu tenir comme prévu la réunion qui avait pour thème de l'inventaire et du recollement des collections de musées. Donc, cette rencontre aura donc lieu en 2021. Et puis, innover. Donc, par la création de nouvelles aides. Les discussions que nous avons eues avec les différents professionnels nous ont amené à faire de nouvelles propositions prenant en compte leurs difficultés particulières dans cette crise sanitaire. Alors, ça a été l'aide aux artistes auteurs qui sont particulièrement isolés pour les inciter à se regrouper pour présenter des projets. Il y a l'aide à la reprise des tournées et enfin l'aide que nous avons appelée COVID compatible. Il s'agit là d'aider les artistes à intégrer cette donnée dans leur création. Dans cet esprit, nous avons également accompagné des projets de collectifs d'artistes qui ont fait des propositions leur permettant à la fois de jouer, mais aussi d'aller vers de nouveaux publics. On peut citer Kiosque, Ouvrir l'horizon, les tournées de concerts dans les EHPAD qui ont été évoquées lundi par ma collègue Anaïk Kotenek. Et je dois dire, ce sont autant d'initiatives qui ont montré l'énergie, la volonté des artistes. Et il suffisait d'entendre, il suffit encore d'entendre les retours sur ces initiatives, par exemple dans les EHPAD, qu'il s'agisse des personnes âgées ou des personnels, pour comprendre que oui, vraiment, la culture est essentielle. Enfin, préparer l'avenir. Parce que le budget 2021 n'est pas seulement celui de l'adaptation à la situation de crise que nous vivons. Il est aussi celui qui se projette dans l'avenir, qui investit dans les activités pour que les activités culturelles puissent rayonner sur tout le territoire. Alors, plusieurs projets d'investissement figurent dans ce budget 2021. C'est d'abord l'investissement pour le patrimoine au service du maillage du territoire. Il s'agit de prendre soin des propriétés départementales en les restaurant, en développant leur accessibilité et en les pensant comme des lieux ressources au service de tous les habitants et habitantes du département. Alors, nous avons au centre le musée d'Aubray, au nord le château de Châteaubriant, à l'est les Folies Siffert, au sud, le château de Clisson et le domaine de la Garenne-le-Mauld, et à l'ouest, Blanche-Couronne. Nous pouvons nous appuyer sur ces lieux emblématiques pour développer des actions qui fassent sens sur tout le territoire départemental. En investissement, de la même façon, nous avons un investissement à la fois pour l'atelier du Grand T et puis pour le rapprochement du Grand T avec musique et danse sur le site du Grand T. Ce beau projet est de nature à renforcer le spectacle vivant sur toute la Loire-Atlantique. Alors aujourd'hui, oui, je sais, ces investissements peuvent sembler lourds. Pourtant, ils sont nécessaires. D'abord, pour ne pas laisser le patrimoine s'abîmer, cela coûte toujours beaucoup plus cher. Et puis, c'est nécessaire aussi pour que ces lieux ne soient pas seulement des sites que l'on regarde avec plaisir, mais qu'ils soient une véritable ressource pour notre département. On peut dire dès maintenant que ces investissements contribuent et qu'ils contribueront à maintenir une activité pour de nombreux professionnels touchés par la crise, dont des heures d'insertion comme dans tous les chantiers du département. Dans ce sens, ils participent pleinement à la relance. Mais on ne fait pas des travaux d'abord pour cela. On le fait pour permettre au tissu culturel de se déployer à l'échelle de tout le département, pour permettre aux habitants et habitantes d'avoir l'occasion de découvrir, de pratiquer, de construire ce lien si particulier que nous permet la culture. Alors, en vous proposant ce budget, je vous propose de mettre en conformité les paroles sur l'importance de la culture et les actes. Oui, la culture est essentielle et il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour demain. Merci.
Merci. J'ai donc plusieurs demandes de parole. En premier lieu, Fanny Salé, présidente d'ailleurs de Musique et Danse en Loire-Atlantique. La parole à Fanny Salé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Un cataclysme. C'est avec un terme saisissant, appartenant au vocabulaire des catastrophes naturelles, que la ministre de la Culture a décrit les effets de la crise sanitaire qui touche le monde de la culture depuis février 2020. De fait, l'ensemble des secteurs culturels qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie présentent une allure de paysage sinistré. Des activités réduites, des activités interrompues, des résultats économiques en berne, des professionnels en attente. De leur côté, les acteurs culturels ont multiplié tout au long de l'année des initiatives et des propositions avec une seule ambition, se réinventer. Et je voudrais souligner là l'exemplarité de plusieurs acteurs culturels qui se sont mobilisés et sont toujours mobilisés au service des personnes vulnérables, au service des personnes isolées. Et c'est le cas de notre agence culturelle Musique et Danse qui a répondu présente tout au long de cette crise. Comme l'a rappelé Catherine, la saison dernière a été mise en place avec le département et l'agence Musique et Danse, une tournée avec des musiciens et des danseurs du département, et d'ailleurs l'image est toujours à l'écran, une tournée avec des musiciens et des danseurs au sein de 26 EHPAD de notre département, des EHPAD qui ont été choisis parce qu'ils ont été touchés par le virus. L'altiste Guillaume Becker ou encore le saxophoniste de jazz, François Ripoche, que l'on voit à l'écran, ont enchaîné les concerts. Des concerts tantôt seuls en acoustique, tantôt déambulant dans les jardins, le public au balcon ou bien entouré à distance avec un cercle de spectateurs. Parce que la musique, la danse, pour se mettre en lien, pour travailler sa mémoire, pour se sentir pleinement vivant, pour ressentir des émotions, pour remuer toutes les couches de son vécu, enfin, pour être là, pour l'instant présent. Parce que, oui Catherine, tu as raison, c'est essentiel. Alors, rompre l'isolement, favoriser de nouveaux usages culturels, développer les pratiques amateurs en direction des populations qui sont les moins initiées, c'est l'ambition que nous portons au département. Parce que nous sommes convaincus que cela contribue à réduire les clivages sociaux, générationnels, habituellement observés. Alors, un grand merci aux acteurs culturels du département qui, en dépit de la crise sanitaire, n'ont rien perdu de ce qui les rend si précieux, leur façon de questionner le monde et de nous rendre plus lucides. Merci. Merci. La parole à Jérôme Alemany. Oui, bonjour Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente et mes chers collègues. À mon tour, je voulais porter un message de soutien et de solidarité en direction de tous les acteurs de la culture qui sont pénalisés par les décisions gouvernementales. Je pense évidemment aux compagnies, aux artistes, aux théâtres, aux salles de concert, aux festivals, aux musées, aux cinémas qui sont fermés depuis maintenant 3 mois et demi après l'avoir été si longuement en 2020, avec double effet. D'abord, la précarisation de milliers d'artistes, de techniciens, de diffuseurs, programmateurs, de bénévoles même, qui sont réduits à l'inactivité et au silence. Alors, bien sûr, des aides ont été apportées par l'État aux établissements fermés, au chômage partiel, à l'intermittence, mais un grand nombre d'artistes ne bénéficient pas de ces dispositifs. Et certains doivent aujourd'hui renoncer à leur vocation, à leur passion, pour des raisons tout simplement de survie économique. Et aujourd'hui, les acteurs culturels crient leur détresse et même une certaine colère. Deuxième effet, c'est la stigmatisation. Quand on assimile les activités artistiques à la mise en danger de la santé ou la mise en danger d'autrui, ça dit, ça confère une place dans la société qui n'est pas celle que nous voulons, que nous réclamons pour la culture.
Or, d'autres solutions existent que la fermeture de ces lieux. Des pays voisins nous montrent une autre voie. L'Italie commence à rouvrir ses musées. L'Espagne a gardé ouvert ses théâtres et ses cinémas. À Barcelone, une expérience de concert avec 500 personnes a eu lieu sans contamination. Tout cela avec beaucoup de tests, évidemment de réduction de jauge, prise de température à l'entrée, à la distanciation physique. Hélas, rien de tout cela n'existe en France. Les autorités maintiennent un refus d'essayer, d'expérimenter, de concevoir même des protocoles de réouverture. Et faute de ces perspectives, c'est aujourd'hui le désespoir qui gagne le secteur culturel. Et moi, je considère que le gouvernement, à force d'ignorer ces demandes, ne fait pas, et pas seulement dans l'erreur, mais commet et réitère une faute contre la création artistique et contre sa représentation dans la société. C'est pour ça qu'il est important de redire notre soutien à tous ces artistes et notre incompréhension devant cette situation. Les artistes sont là pour jouer, pour rencontrer le public, parfois provoquer, déranger, donner mauvaise conscience et empêcher les artistes, les esprits pardon, de s'éteindre. Et je les soutiens, je leur redis que la situation qui leur est faite n'est pas juste aujourd'hui. En contrepoint de cela, je veux saluer, Madame la Vice-Présidente, votre action depuis le début de cette crise. Vous avez en effet tout d'abord garanti les subventions ou les rémunérations qui avaient été votées, que les manifestations aient pu avoir lieu ou pas. Vous avez créé le fonds de soutien à la citoyenneté, dont 450 000 euros sont allés aux structures, à 100 structures culturelles. Et puis, vous avez maintenu, voire renforcé l'offre culturelle dans tout l'environnement départemental, que ce soit dans les collèges, sur les sites patrimoniaux, ou comme ça vient d'être évoqué par Fanny Salé, dans les EHPAD. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nouvelles mesures d'accompagnement dans le cadre de ce budget 2021. Je veux particulièrement saluer l'action du Grand T que vous présidez, également sous la direction de Catherine Blandeau, et qui a fait des choix pour moi qui sont essentiels en cette période, en maintenant les cachets des artistes programmés, en reprogrammant son offre dès que cela a été possible, fin juin avec Radio On, un spectacle, un drive-in théâtral sur les espaces extérieurs du Grand T, en décembre, en reprogrammant dès la réouverture possible un spectacle qui a dû finalement être annulé par la force des choses, en continuant également à répéter des œuvres en création, et puis dès cette semaine à nouveau en proposant une journée complète de représentation à destination des professionnels et des diffuseurs dans l'hypothèse d'une réouverture. Voilà, plus largement, je salue toute l'attention permanente qui a été portée par le département au cours de cette période avec l'ensemble des acteurs, des réseaux, un travail discret, un travail de coulisses, mais un travail qui correspond bien à l'ADN de notre politique culturelle. En effet, le département, il est une tête de réseau, il est un fédérateur, il est un animateur. C'est vrai auprès des salles de diffusion de Loire-Atlantique à travers le réseau RIPLA, c'est vrai aussi auprès des cinémas associatifs, à travers la Scala, c'est vrai aussi à travers Musique et Danse, chère Fanny, c'est vrai également auprès des territoires avec les projets culturels de territoire que vous signez avec les intercommunalités. Ce travail de réseau, ce travail de mise en dynamique des acteurs, cette structuration, ce maillage du paysage territorial et artistique, c'est une conception, je crois, très moderne de ce que doit être de ce que peut être une politique culturelle, et c'est ce qui permettra, je crois, aux artistes, aux formations, aux associations, aux lieux de diffusion, de mieux retravailler après cette période terrible. Je vous remercie. La parole à Serge Mounier. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. Tout d'abord, au nom de notre groupe, je voudrais témoigner de notre soutien, effectivement aussi, au monde de la culture et de l'ensemble de ses acteurs. Je connais personnellement certains d'entre eux et je sais les difficultés qu'ils vivent actuellement. Donc je m'associe effectivement aux propos de Jérôme qui vient d'être évoqué. À chaque vote de ce budget culture, nous rappelons la position de notre groupe.
Nous sommes bien sûr largement favorables à une culture, à une politique culturelle volontariste pour tous, pour tous les habitants et pour tous les territoires du département. Nous sommes opposés à l'envolée des dépenses culturelles d'investissement. Dans ce contexte de crise économique et sociale et de réduction de nos marges de manœuvre budgétaires, nous estimons que la priorité doit être donnée à l'accompagnement des publics les plus fragiles. Monsieur le Président, vous avez rappelé en préambule que ce budget doit être un budget de crise et de combat. Pourtant, après avoir rappelé au fil des dossiers cette situation de crise et les besoins sociaux énormes qui en découlent, vous nous présentez un budget culture en hausse de 18 millions d'euros. À titre de comparaison, je rappelle qu'en dehors du versement de l'allocation RSA, le budget allocation sociale n'augmente que de 631 000 euros. Cette hausse de plus de 18 millions d'euros, budget proposé pour la culture, tient essentiellement à la hausse de 17,5 millions d'euros des dépenses d'investissement. Cette montée en flèche des dépenses d'investissement intervient dans un budget global d'investissement en hausse de plus de 10 millions d'euros. Et comme trop souvent, cette politique de développement des territoires Et comme trop souvent, c'est la politique de développement des territoires qui servira de variable d'ajustement, avec notamment la chute des aides à l'investissement des communes. Cette hausse des dépenses d'investissement culturel provient pour plus de 60% de la hausse des dépenses pour le musée d'Ouvray et pour le Grand Quai. Je rappelle que notre groupe, qui soutient ces projets dans l'esprit, s'est opposé à l'explosion des dépenses budgétaires consacrées à ces deux projets. Je sais que vous allez maintenant vous livrer à un plaidoyer sur la nécessité de l'action culturelle, à quoi je vous réponds par avance que nous adhérons. Mais ne nous trompons pas de débat. Si nous sommes bien sûr favorables à une action culturelle volontariste pour tous les habitants et tous les territoires du département, nous ne partageons pas du tout l'explosion des coûts que vous engagez. Ainsi, en cohérence avec les priorités actuelles des habitants de notre département, notamment les plus fragiles, avec le projet que nous portons et avec nos précédents votes sur le musée d'Ouvray et le Grand Quai, nous voterons majoritairement contre ce dossier. Je vous remercie pour votre écoute. La parole à Vincent Danis. Oui, je rebondis sur les propos de Serge Mounier. Et il a raison de souligner la très grande fragilité dans laquelle cette crise a plongé les habitants de Loire-Atlantique. Lorsqu'il parle de fragilité, de public fragile, je ne peux pas m'empêcher de penser aux propos tenus par des psychiatres, des psychologues aujourd'hui qui soulignent la très grande détresse psychique dans laquelle cette crise plonge nombreuses et nombreux parmi nous et nos concitoyens. La culture, à ce titre, est sans doute parce qu'on prive la population de cette, comment dire, de cette façon de nourrir notre pensée et nos réflexions, à la base aussi de cette fragilité, et il convient donc évidemment d'aller de l'avant. Donc je m'associe aussi aux propos tenus par Jérôme Alemany et Catherine Toucheux, et je suis aussi solidaire avec les artistes. Bien entendu, des expérimentations en Italie et en Espagne démontrent qu'il est sans doute possible d'ouvrir des équipements culturels de la même manière, et c'est un peu incompréhensible pour nombreuses et nombreux de nos concitoyens, dans la mesure où des centres commerciaux ont été ouverts pendant les fêtes de Noël et que les transports collectifs sont également aujourd'hui en service. Donc, évidemment, des expérimentations peuvent être menées, mais je ne vais pas non plus critiquer la façon dont la crise a été gérée. Il a fallu parer au plus pressé, et notre société, à l'évidence, n'était pas préparée, et c'est vrai en France et partout dans le monde, à ce type de crise, de cette crise sanitaire. Donc, que faire ? On pourrait faire comme le fait le maire de Perpignan, unilatéralement prendre des décisions que je désapprouve parce qu'elles ne font pas nation. Donc il faut redonner de l'espoir au monde de la culture aujourd'hui, et je pense préparer en anticipant des investissements à effectuer une réadaptation des lieux culturels pour qu'ils puissent accueillir en cas de pandémie à venir, et on sait que d'autres pandémies arriveront vraisemblablement du fait de l'évolution de notre monde, les adapter à pouvoir permettre de continuer à faire vivre la culture en temps de pandémie.
Cela suppose bien entendu que l'État, enfin, entende ce que les collectivités territoriales, qui aujourd'hui financent à plus de 80% les politiques culturelles dans ce pays, connaissent finalement la qualité de leurs équipements. Et à l'évidence, certains équipements aujourd'hui pourraient accueillir, je pense, en toute sécurité du public, dès lors que des protocoles serait défini par l'État en lien avec les collectivités. Protocole évidemment dans l'utilisation des équipements, mais aussi de leur adaptation matérielle. Donc ça suppose d'anticiper des investissements à venir, et j'ai envie de dire à Serge Mounier que les investissements, au contraire, il va falloir mettre le paquet, et des investissements pour que les prochaines crises ne coûtent pas autant qu'elles ont coûté dernièrement. Et il faudra qu'on permette à toutes et tous de poursuivre leur cheminement culturel, même en temps de pandémie, et donc demander à l'État, encore une fois, j'insiste, de travailler avec les collectivités territoriales et d'anticiper des investissements d'avenir pour que cela ne nous coûte pas, aussi bien sur le plan d'ailleurs financier que psychique, comme cette crise a coûté actuellement. Voilà, c'est le message espoir, je pense, qu'on doit pouvoir tenir vis-à-vis du monde de la culture. Il faut anticiper, il faut donner des perspectives positives, et je pense tout à fait réaliste et réalisable. Je pense que l'État a tenu un discours de quoi qu'il en coûte, à l'heure où l'argent ne coûte rien, eh bien, j'ai envie de dire, c'est le moment d'investir pour, une fois encore, faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas. Merci beaucoup. La parole à David Martineau. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Vincent Dany, Fanny Salé, Jérôme Alemany, dans leurs interventions, ou encore Catherine Touchefeu dans la présentation de son rapport, ont dit déjà beaucoup de choses. Alors moi, je voudrais juste peut-être en complément vous lire un extrait de la lettre que Cécile L., la maire d'Avignon, vient d'envoyer à Emmanuel Macron, qui dit la chose suivante, ne vous inquiétez pas, c'est pas long. « 100 jours que nos vies se limitent à des actions basiques et répétitives, dormir, se déplacer, se former, travailler, consommer et dormir de nouveau. Par contre, nous pouvions encore jusqu'à récemment aller nous agglutiner par milliers dans des centres commerciaux, temples de la société de consommation, celle-là même qui nous a conduits dans le mur des pandémies mondiales. » Alors, moi, je voulais vous dire que je suis, alors à la fois dans cette intervention, je voulais remercier évidemment, Catherine Touchefeu en a parlé dans la présentation de son rapport, la réactivité et le soin avec lequel le département réagit vis-à-vis de cette crise. Parce qu'on le sait, c'est décrit dans le rapport, il y a ce fonds d'urgence pour la culture qui a été mis en place, entre autres avec la ville de Nantes et la ville de Saint-Nazaire, cette capacité à recevoir les acteurs et les recevoir et les traiter avec soin. Alors que j'ai l'impression, encore aujourd'hui, que la place de la culture est traitée avec beaucoup de dédain. Ça a été dit, aujourd'hui, les musées sont toujours fermés. On peut se poser la question pourquoi un musée, par exemple, comme le musée d'art de Nantes, continue d'être fermé quand les galeries privées sont ouvertes et des galeries dans lesquelles on peut aller voir et acheter des œuvres, alors que nos musées sont fermés. Ça a été dit aussi, on a aujourd'hui reçu beaucoup, de la part du ministère de la Culture, les artistes, les structures, une injonction à se réinventer. Mais quand on se réinvente face à un État autiste, qui certes est intervenu massivement sur le plan financier, et heureusement, pour aider les artistes et les structures à continuer de vivre, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a personne au bout du fil quand on veut réinventer, quand on veut mettre en place, continuer à mettre en place, trouver de la visibilité pour les acteurs culturels qui ont en effet appliqué des protocoles stricts. Je rappelle qu'aujourd'hui, aucun cluster n'a pu être mis en évidence vis-à-vis des actions culturelles menées par nos grands opérateurs et par nos petits opérateurs. Voilà. Alors moi, j'ai une certaine colère, je dois dire, face à ce dédain qui fait que nos acteurs de la culture sont aujourd'hui non seulement dans une panade très importante, mais comme d'autres secteurs économiques de notre pays face à la Covid, mais sont surtout sans aucune visibilité et sans interlocuteur pour se sortir de cette situation.
L'année 2021, elle va être compliquée, ça va continuer d'être compliqué. Malheureusement, les mauvaises nouvelles continuent de s'amonceler sur hier encore, le festival d'Aurillac annonçait sa grande interrogation sur la tenue de ce festival. Et donc, c'est toute l'économie du théâtre de rue qui pourrait être mise à mal par la non-tenue de ce festival d'Aurillac. Et malheureusement, les nouvelles dans ce sens continuent de s'accumuler aujourd'hui par des acteurs qui disent « mais nous sommes prêts ». Quand on écoute les interventions d'Éric Boistard pour Stéréolux et le travail, Éric Boistard représentant ces grandes institutions qui ont mis en place un travail absolument formidable pour que les artistes continuent de pouvoir travailler, de pouvoir répéter, pour prévoir des protocoles qui permettent en toute sécurité aux spectateurs de continuer à vivre la culture, on peut s'interroger quand même de cette non-réponse et de qui en dit, comme le disait Catherine Touchefeu, un peu trop sur la façon dont certains considèrent la place de la culture dans nos villes. Moi, j'ai aujourd'hui, et je soutiens énormément ce choix d'avoir dit que l'éducation était prioritaire, de faire tout en sorte pour que nos élèves puissent continuer à aller dans nos écoles, nos collèges, nos lycées. Je voudrais d'ailleurs rappeler la difficulté que vivent nos étudiants, hein, qui encore aujourd'hui sont parmi les premières victimes de cette crise. Voilà, le monde culturel est prêt, le monde culturel fait ce travail. Pour nous, vous le savez, la culture, c'est aussi important que l'éducation. Et aujourd'hui, on fait face à ce dédain qui, malheureusement, nous interroge. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre attention. Merci, chers collègues. La parole à Catherine Touchefeu. Oui, ben merci de ces différentes interventions qui permettent de préciser et d'expliquer à la fois concrètement qu'est-ce qui se passe quand on s'investit sur les questions culturelles et puis d'expliquer que derrière ça, c'est une question aussi de vision de la société qui s'exprime et il est important de dire quels choix on fait et pourquoi on les fait. Et c'est d'autant plus important justement pour que chacun puisse se repérer dans un moment où il y a une période de crise. Alors, moi, je voudrais remercier chacun des collègues, Fanny Salé, Jérôme Alemany, Serge Mounier, David Martineau et Vincent Danis qui sont intervenus sur ces questions-là. Mais Serge Mounier, je voudrais dire, il y a quand même quelque chose qui me pose une vraie question. C'est à chaque fois qu'on parle de la culture, on veut bien se mettre d'accord pour dire que c'est important. Ce qui est déjà un progrès, parce que fut un temps où la question, dès qu'on proposait le mot culture hein, dans notre histoire lointaine, c'était un facteur de reconnaissance, on va dire, de la gauche et de la droite, très clairement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'investissement sur les questions culturelles de façon plus partagée. Mais dès qu'on se retrouve face à la nécessité de faire des investissements et des investissements d'importance, à chaque fois, on se retrouve devant ce clivage qui apparaît de nouveau. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est bien, que les artistes sont importants, que la relation est importante. C'est décisif et c'est déjà quelque chose, moi, que j'apprécie à chaque fois que je l'entends, de quelles que soient les personnes qui prononcent ces mots-là. Après, moi, je voudrais dire aussi que les choses s'organisent et ont besoin de se structurer. Si on se retrouve à avoir autant de propositions qui ont eu lieu vis-à-vis des tout publics, que ce soit vis-à-vis des artistes ou vis-à-vis des propositions sur des centres médico-sociaux, sur des EHPAD, etc., qui ont pu être faites, c'est aussi parce que depuis quelques années, on travaille sur cette question du lien qui peut se faire et des lieux où les pratiques peuvent se développer. Mais pour travailler cette question-là, ça ne se fait pas simplement au gré d'une rencontre, même si ça, c'est aussi une des dimensions. Ça s'organise aussi. Et par exemple, le rôle particulier de musique et danse pour venir en lien avec les artistes qui ont fait des propositions et pour les aider à mettre en place toute une série de concerts, eh bien, la place de musique et d'un sens est déterminante. La place du Grand T pour l'organisation
de tout ce qui est les initiatives du théâtre, quelles qu'elles soient, soit sur le site, soit dans les établissements scolaires, etc., le Grand T a un rôle tout à fait important. Et ça se structure au niveau de l'ensemble du département. Si le Grand T, musique et danse en Loire-Atlantique, par exemple, comme la musique, comme la bibliothèque départementale, joue un rôle important sur l'ensemble du territoire et notamment dans le cadre de nos projets culturels de territoire. Nous travaillons ensemble sur ces territoires pour développer la culture. Et ces outils sont indispensables. Et ces outils ont besoin de moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Et donc, la question du regroupement de musique et danse et du Grand T sur un même site, d'une part, et le fait d'inventer avec ces structures qui portent une réflexion très importante sur les pratiques du spectacle vivant aujourd'hui et demain, et qui portent cette vision justement d'évolution et qui vont beaucoup plus dans le sens de la culture pour tous, la culture partout, eh bien, ils ont besoin justement de cet outil que représente le projet qui est porté sur le site du Grand T. Et ne pas leur donner les moyens de faire ce travail-là, eh bien, c'est se retrouver ensuite vers un appauvrissement de ce qui peut se passer sur l'ensemble du département. De la même façon, la question du musée d'Aubry, elle est centrale. On voit l'appétence sur les questions patrimoniales. On voit l'importance de tisser ce lien fragile entre hier et aujourd'hui, de travailler sur ces questions-là et de voir comment cette question patrimoniale peut être une ressource aussi pour que chacun se construise et se pense dans la société d'aujourd'hui. C'est en tout cas dans cette idée-là, dans cet objectif, pas dans l'objectif d'un regret fantasmé de ce que c'est le passé, mais au contraire, l'objectif de comprendre l'histoire de l'humanité à travers justement ces questions patrimoniales, eh bien le musée d'Aubry, il est porteur de ça. Il est porteur de ça pas simplement au niveau du site du musée d'Aubry, il est porteur de ça au niveau de l'ensemble de nos structures et des lieux patrimoniaux, que sont le château de Clisson, sur lequel nous avons prévu aussi des investissements tout à fait importants et qui, je crois, ne sont pas contestés. Sur les Folies-Sifaites, où il y a des investissements importants qui ne sont pas contestés. Mais il faut bien comprendre que si nous n'avons pas et nous ne nous investissons pas sur cette question du musée d'Aubry, tous ces projets qui portent d'une vision globale et pas simplement d'une vision au coup par coup, et bien tous ces projets-là risquent d'en souffrir profondément. Donc, il y a un moment, il faut prendre des responsabilités, et ces responsabilités, c'est de dire on va investir. C'est pas simplement quelque chose, c'est lourd, c'est vrai, mais c'est pas simplement quelque chose qui est pour tout de suite. C'est pas une vision statique que nous devons avoir, mais c'est une vision dynamique. Comment on porte cet élan, et ça, ça a des conséquences sur l'ensemble du tissu culturel, qu'il s'agisse dans le domaine du patrimoine ou qu'il s'agisse dans le domaine du spectacle vivant. Donc, on s'adresse à tous à travers ce projet et ce type de budget. Merci. Merci à toutes et tous. En vous écoutant, je me souvenais des propos que j'avais tenus le 17 janvier 2018. Alors le 17 janvier 2018, pour notre département, est une date qui marquait l'histoire. Et en l'occurrence, ce matin-là, j'ouvrais les Biennales internationales du spectacle vivant, avant que quelques heures plus tard, le Premier ministre n'annonce la fin de Notre-Dame-des-Landes. Et en ouvrant les Biennales, j'avais eu ce mot qui avait surpris l'Assemblée et je leur avais dit que j'allais leur parler d'un projet de près de 40 ans. Tous et toutes pensaient que j'allais leur parler de l'aéroport et en fait, je voulais simplement leur parler de la décentralisation et du lien intime entre le spectacle vivant et la décentralisation et le rôle incroyable qu'avaient joué toutes les collectivités locales, les communes, les départements, les régions au cours de ces près de 40 années pour accompagner le développement culturel, accompagner les artistes dans ce pays, accompagner les événements. Je crois que c'est une chance incroyable pour notre pays
que nos collectivités se soient finalement emparées. Et d'ailleurs, la loi NOTRe avait confirmé finalement que c'était une compétence partagée. Et nous pouvons nous en réjouir. Mais je crois que, à la lumière de ce qui se passe et de ce que traverse notre pays, au fond, jamais le monde culturel n'a eu autant besoin du soutien de nos collectivités. Et je pense que dans ce moment particulier, c'était le sens de notre engagement aussitôt que nous avions pris conscience de la dimension de cette crise, de dire au monde culturel, au monde associatif en général, mais j'y reviendrai, que nous étions à leur côté, que nous les soutenions, que nous les accompagnions et que nous allons accompagner, les aider à traverser cette crise, parce que c'est un système fragile, c'est plus qu'essentiel, c'est vital, la culture. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, nous devons faire encore plus, encore mieux, passer des messages, accompagner les structures. Et nous avons ici, dans ce département, des acteurs incroyables qui ont su réagir, s'adapter, qui font face, mais qui souffrent. Et donc, il faut absolument, absolument que nos collectivités soient à leur côté, que nous les accompagnons quand l'État, et je me joins aux propos des uns et des autres, est véritablement défaillant dans la matière, manque cruellement de courage politique pour soutenir un secteur aussi sensible, aussi fragile, aussi utile, aussi indispensable à la vie. Voilà, et donc je pense que les propositions qui sont faites nous honorent. Nous le verrons d'ailleurs aussi dans les dossiers suivants. Ça vaut aussi pour les activités sportives, pour tous les grands événements qui sont indispensables à nos territoires. Et nous ne pouvons pas dissocier un rebond économique. Nous ne pouvons pas dissocier le social de l'éducation et nous ne pouvons pas dissocier la vie économique de nos territoires et leur rayonnement de ce qui fait l'âme au fond de nos territoires, que sont ces événements, que sont l'ensemble de ces acteurs culturels, sportifs. Et donc je pense que les budgets que nous allons voter ce matin sont aussi le signe de cette véritable solidarité qui, plus que jamais, est nécessaire dans ces moments difficiles. Voilà, donc je propose que nous procédions au vote de cette politique culturelle et je déclare le scrutin ouvert. Problème de connexion, Président Hervé Corrouge, je vote pour. Problème de connexion, Lydia Ménien, je vote pour. Problème de connexion, Président, je vote contre. Jean-Luc Beignet. Problème de connexion, je vote pour. Myriam Bijard. Problème de connexion, Patrick Girard, je vote contre. Je constate que beaucoup expriment. Ah voilà, j'ai la liste. Stéphane Bouger. Donc, Jean-Luc Beignet contre, Myriam Bijard pour, Hervé Corrouge pour, Patrick Girard contre, Freddy Hervochon. Pardon, est-ce qu'on peut me dérouler la liste? Stéphane Bouger. Je n'arrive pas à avoir la liste au complet. Michel, voilà, merci. Alors, non pas voté, Stéphane Bouger qui ne s'est pas exprimé. Et Jean-Luc Beignet contre, Hervé Corrouge pour, Patrick Girard contre, Freddy Hervochon pour, Michel Ménard, je suppose pour, Stéphane Bouger, je n'ai pas de... Michel Ménard pour, mais je n'arrive pas à me connecter. Donc bien. Stéphane Bouger contre, bien, écoutez-le. Stéphane Bouger contre. Hein. Voilà, donc les votes sont enregistrés. Merci. La parole à Catherine Touchefeu pour le dossier suivant, Régie autonome Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. La parole à Catherine Touchefeu. Merci. Donc, la délibération que nous venons de voter a bien sûr un lien évident avec celle que je vais vous présenter maintenant. Donc, je ne reviendrai pas sur les investissements sur nos sites patrimoniaux. Je me contenterai donc d'évoquer le fonctionnement de cette régie autonome. Je vous rappelle que c'est le mode de gestion que nous avons choisi pour ne pas nous permettent de créer une démarche que nous avons appelée de la fouille au musée. Et cela nous a permis d'intégrer des fonctions existantes, d'en créer d'autres comme le service archéologique,
et de développer les complémentarités de nos différents services, sites départementaux. Alors, l'objectif est clair, mettre les pratiques patrimoniales à la disposition du plus grand nombre, en faire un élément moteur sur nos territoires. Grand Patrimoine en Loire-Atlantique, je vous le rappelle aussi, est un service départemental, donc qui fonctionne sous la forme d'une régie autonome, et donc la conséquence est pour une meilleure lecture du budget, les dépenses de personnel sont sur cette politique-là incluses dans le budget de la régie, et elles représentent près de 5 millions d'euros sur les 7,3 millions de dépenses de fonctionnement. Alors, sur le chemin de la fouille au musée, la première étape, c'est le pôle archéologique. 8 opérations diagnostiques et fouilles ont été réalisées en 2020. Des nouvelles sont prévues, bien sûr, en 2021. Et je voulais juste vous rappeler tout l'intérêt d'avoir cette ressource en interne pour mieux gérer nos travaux. Ça va bien au-delà de nos sites patrimoniaux, mais ça concerne vraiment tous les bâtiments départementaux, les collèges, les routes, etc. Et puis, à travers ce travail qui est la base de ce pôle archéologique, mais l'intégration justement et la réflexion sur la façon dont on partage ces différents éléments et connaissances mises en avant, et ben, ça nous permet aussi d'avoir une action culturelle et le service à organiser des visites pour des scolaires, pour tout public. La deuxième étape, c'est la restauration et la conservation. Alors bien sûr, la crise a eu des effets sur le fonctionnement de notre laboratoire arcantique. Vous voyez au travail ici, des projets ont été retardés, voire annulés, mais les activités ont bien redémarré après le premier confinement. Et au-delà des prestations, je crois qu'il faut vraiment se prendre conscience. Alors, vous pourrez le voir en lisant aussi la délibération dans ce détail, mais prendre conscience d'un travail qui est reconnu tant pour la recherche que pour la formation. Alors, dernièrement, par exemple, en commission permanente et puis lors de la dernière réunion du conseil d'exploitation, nous avons eu l'occasion de présenter plus en détail le projet international Procraft portant sur l'étude et la conservation des épaves d'avions de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel Arcantique a un rôle tout à fait particulier. Et puis, eh bien, ça semble logique, juste dans cette réflexion sur de la fouille au musée, Arcantique a un rôle particulier à jouer dans le cadre du plan de restauration des collections du musée d'Aubray en vue de la prochaine ouverture du musée. Le pôle conservation de GPLA a pu continuer ses missions fondamentales. Il s'est impliqué très fortement dans la rédaction du projet scientifique et culturel que nous avons présenté lors de la dernière session, donc je n'y reviens pas. Et puis, il a aussi dû, comme tout le monde, adapter ses activités. Il a fallu, par exemple, répondre à distance aux chercheurs, reporter des prêts d'objets aux expositions locales qui, finalement, n'avaient pas lieu. Enfin, tout ce travail est le travail d'un musée qui ne se voit pas toujours, mais qui fait vraiment partie de l'activité d'un musée. L'autre dimension forte de Grand Patrimoine en Loire-Atlantique, c'est la volonté de partager les émotions et les connaissances. Et là encore, la crise a eu des impacts forts, notamment avec les expositions, parce que les expositions sont un des moyens importants de présenter au public les richesses patrimoniales de GPLA. C'est un des moyens de partager des émotions et des connaissances scientifiques. Et c'est ça toute la particularité et l'importance justement de GPLA. Alors, en 2020, elles n'ont pas pu avoir lieu comme prévu. C'est donc en 2021 qu'il sera normalement possible de voir Loire-Atlantique Terre de Trésor, reprise et accentuation, on va dire, modification aussi de l'exposition qui avait été présentée une première fois au château de Châteaubriand. Et puis à la Garenne-le-Mont, on pourra découvrir l'exposition Comme de longs échos, dont vous voyez l'affiche à l'écran. Pour autant, Grand Patrimoine en Loire-Atlantique a cherché à maintenir le plus possible toutes les activités en direction des publics. Les espaces extérieurs ont été ouverts dès que possible. Il y a des visites guidées, des spectacles gratuits, des nouvelles possibilités de réservation en ligne aussi qui ont permis à près de 12 000 visiteurs de découvrir nos sites patrimoniaux sur l'année 2020.
Et je pense qu'on peut dire que Grand Patrimoine a joué son rôle aussi bien dans les actions d'éducation artistique et culturelle que dans la valorisation touristique de notre département. D'ailleurs, cet été, il suffisait de voir la presse pour voir l'actualité que proposait Grand Patrimoine dans l'Atlantique à l'ensemble des habitants, qu'ils soient habitants du département ou qu'ils viennent de plus loin. Nous poursuivrons cette démarche en 2021. Enfin, au vu de la place centrale qu'occupe le musée d'Aubry dans Grand Patrimoine en 2021, la préparation du musée de demain continuera à fortement occuper les équipes. Et j'en profite parce que c'est important pour les saluer, parce qu'il faut toujours savoir que le service public fonctionne avec des hommes et des femmes qui s'y consacrent. Je sais que l'implication dont ces équipes ont fait preuve pour mener à bien l'ensemble des missions de Grand Patrimoine dans un quand même contexte d'incertitude sur l'ensemble des projets, y compris le gros projet dont nous venons de discuter, qui soit sur le musée d'Aubry. Je pense qu'il faut saluer leur implication et bien voir que ce service public est à destination de l'ensemble des habitants et des habitantes de Loire-Atlantique. Voilà, merci. La parole à Catherine Siron. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, s'agissant des actions développées par la régie départementale Grand Patrimoine, je tiens au nom du groupe à en souligner la cohérence, et nous l'avions dit à de nombreuses reprises, au service du rayonnement culturel à l'échelon départemental et même au-delà. Le déploiement des politiques culturelles de Grand Patrimoine contribue notamment à l'attractivité touristique de nos territoires. Son bénéfice est également fortement orienté vers les scolaires. J'insiste ici sur l'attachement de notre groupe à cette base patrimoniale locale pour le développement de notre politique culturelle. Cette base associe répartition géographique, identité historique et culturelle locale, en favorisant ainsi la fierté et la mobilisation des acteurs locaux et des habitants. Enfin, je veux également saluer l'intervention du pôle archéologique en soutien aux collectivités locales dans les projets en lien avec une propriété départementale, ainsi que le savoir-faire d'Arc Antique en matière de restauration reconnue à l'échelle internationale. Et vous l'avez salué notamment dans le projet ProCraft, qui, je pense, va mettre à l'honneur ce secteur de Grand Patrimoine et le département de Loire-Atlantique. Je vous remercie. La parole à Vincent Danis. Oui, un petit mot très rapide, juste pour souligner l'excellence effectivement de notre département sur les questions d'archéologie et d'histoire, une excellence connue effectivement par les professionnels, mais insuffisamment connue du grand public et assez méconnu à l'extérieur de notre département. Et c'est pourquoi, dans ce cadre-là, il manque aujourd'hui un musée d'excellence pour que cette excellence soit accessible à toutes et tous. Et bien évidemment, on ne peut pas dissocier cette politique du futur musée d'Aubry. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pardon, je n'ai plus de demande de parole. La parole à Catherine Touchefeux. Je crois que les deux interventions se suffisent à elles-mêmes. À la fois, un très beau travail mené par Grand Patrimoine, mais la nécessité de lui permettre de se poursuivre, parce que je voudrais vraiment qu'on prenne conscience de l'importance que représente le musée d'Aubry par rapport à l'ensemble de ce travail-là, et qu'on ne peut pas fragiliser justement le point d'appui, le centre qui nous a permis justement de développer tout ce travail à l'échelle de tout le territoire. Donc vraiment... je remercie pour ces interventions, et puis
je me dis, soyons fiers d'y aller et d'y aller sereinement. Merci. Merci. Donc, je propose de mettre aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. Toujours problème de connexion, président, pour Hervé Courroux, je vote pour. Ah. Ça y est, c'est revenu. Idem pour moi, président, je n'ai toujours pas la connexion, je vote pour. Alors, Anne-Sophie Douet n'a pas voté. Est-ce que on va supposer Anne-Sophie Douet, si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez nous donner votre vote? Quelqu'un peut, du groupe des... Président, voilà, apparemment elle a voté. Ah ben voilà, c'est fait. Merci. Donc, Michel Ménard nous a fait part de son vote. Donc, unanimité. Merci. La parole à Malika Tararbi pour la politique sport et activité de pleine nature. Merci, Monsieur le Président, cher Philippe. Chers collègues, mesdames et messieurs, depuis plus d'un an, près d'un an, la manière dont nous vivons le sport a changé. Le mouvement sportif est largement empêché de fonctionner et il faudra peut-être du temps pour que les sportives et les sportifs s'engagent de nouveau dans un club. Les grands événements sportifs sont également impactés, fragilisant lourdement l'économie du sport et bouleversant les calendriers sportifs. Je pense en particulier aux 18 sportives et sportifs de Loire-Atlantique qui se préparent dans des conditions inédites pour les JO. Du côté du bénévolat, la difficulté à mobiliser risque aussi de s'accentuer. Et pour les salariés et les jeunes qui sont en recherche d'un emploi dans le secteur du sport, la période est aussi difficile. Je tiens à saluer tous les bénévoles et les salariés du mouvement sportif. Depuis près d'un an, elles et ils continuent à tenir le cap pour être prêts à relancer les activités dès que cela sera possible. Le département est auprès d'eux et répondra présent durant toute cette année 2021. Cette crise a aussi souligné l'importance du sport dans notre quotidien. Les activités physiques et sportives à tous les âges de la vie, sont des respirations nécessaires et une source de bien-être essentielle. Je n'oublie pas non plus le plaisir pour beaucoup d'aller soutenir leur équipe favorite. Le sport, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus qu'un miroir de notre société. C'est un élément structurant de nos modes de vie. Lorsque nous agissons avec les acteurs du mouvement sportif de Loire-Atlantique pour l'accès de toutes et tous dans la diversité des disciplines à un sport de qualité, nous contribuons aussi à faire bouger la société, tout simplement. Un sport fort de ses valeurs, c'est un sport où la performance signifie aussi le respect de soi et de l'autre, la solidarité et le plaisir du jeu. Parce que ces convictions guident notre action au service de la Loire-Atlantique depuis 2015, je suis heureuse de vous présenter pour la sixième fois les orientations prioritaires et le budget de notre politique sportive départementale considérée au niveau national comme l'une des plus accomplies. Sans revenir sur l'ensemble du dossier que vous avez tous en main, je vous propose de dégager quelques axes de cette politique très transversale. Vous le voyez sans doute à la première diapo, le sport que nous promouvons, c'est un sport citoyen, où l'on apprend sur soi à vivre avec les autres et son environnement. Un sport pour mieux vivre, c'est d'abord un moyen d'éducation, d'émancipation et de découverte pour les enfants et les jeunes. Dans un souci d'égalité, ça doit être vrai sur tous les territoires. C'est pour cela que le budget 21 confirme notre engagement pour l'animation sportive départementale, une vraie ressource d'éducation sportive et de développement local sportif, tout particulièrement pour les communes rurales. Cette action publique complémentaire du travail des clubs est reconnue au niveau national comme exemplaire et je tiens à saluer les compétences de nos 44 éducatrices et éducateurs sportifs.
Ces professionnels organisent chaque année, chaque semaine, 448 écoles de sport qui réunissent 8360 enfants de 7 à 14 ans dans 182 communes de moins de 12 000 habitants. Et pour les vacances d'hiver, il y a déjà près de 500 inscriptions au stage sportif de l'ASD. J'étais d'ailleurs ce matin à une interview avec RTL 2 pour annoncer le début de ces stages pour les vacances d'hiver. Le sport comme ressource éducative, c'est aussi au collège. Le sport au collège, c'est d'abord, continuer à financer la construction et la restauration des équipements dédiés à l'éducation physique et sportive des collégiens et des collégiennes. Pour les autorisations de programme 2016-2018 et 2019-2021, je vous propose de voter des crédits de paiement à hauteur d'1 500 000 €. Le sport au collège, c'est aussi notre partenariat avec les associations sportives scolaires. Notre engagement, c'est un partenariat de projet et un soutien financier pour un montant total de 76 000 € aux associations départementales de sport scolaire. Le sport au collège, c'est aussi proposer aux sportives et aux sportifs de haut niveau de participer au temps d'enseignement en témoignant de leur parcours et expérience auprès des élèves. Le sport au collège, c'est également un espace de réflexion et de prévention. La lutte contre les addictions, les violences avec des psychologues du sport qui viennent soutenir et sensibiliser à l'égalité filles-garçons et aussi avec l'association Dames de sport. Un sport pour mieux vivre, ce doit être vrai aussi pour les personnes en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Nous développons toutes nos actions dans une perspective permanente d'inclusion. Un comité, un club, un événement, un équipement qui s'engage concrètement pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Je tiens d'ailleurs à saluer la course exceptionnelle réalisée par notre ami Damien Seguin tout autour du globe. Lui qui dit de lui-même qu'il n'était pas un enfant comme les autres est devenu pour tous un marin exceptionnel. Et on l'a tous bien suivi. Pour mémoire, l'association des pieds et des mains qu'il a créée pour faire voler en éclats les préjugés sur le handicap par une pratique mixte de la voile est hébergée depuis 2005 à la Maison des sports de Loire-Atlantique à l'ISMIA. Un sport pour mieux vivre, c'est aussi à tous les âges de la vie et lorsque la vie nous fragilise. Le département initie donc en direction des seniors, mais également pour permettre à des jeunes en difficulté et des personnes en parcours d'insertion de renouer avec des expériences sportives positives. Par exemple, le travail socio-éducatif conduit avec des jeunes mineurs non accompagnés et de la protection de l'enfance se poursuivra également en 2021. Le sport pour mieux vivre, c'est aussi un sport qui s'engage pour l'égalité dans tous les genres. On attribue, et vous le savez, à Pierre de Coubertin la formule « l'important c'est de participer ». La formule est belle, mais on doit ajouter « à condition de pouvoir participer ». Nous avons progressé, bien sûr, mais trop d'inégalités subsistent encore et justifient une action publique déterminée pour soutenir la pratique au féminin du sport. Quand un garçon s'enthousiasme pour une championne, ça change la donne sur sa représentation des femmes. Quand une jeune fille écoute le parcours d'une sportive, ça balaye pas mal d'idées reçues et ça ouvre du possible. Nous continuerons donc en 2021, notamment avec l'association Dames de sport, de soutenir les initiatives qui favorisent le sport au féminin, notamment pour les ados, à l'âge où elles s'empêchent, où on les empêche de s'épanouir dans le sport. Le sport aussi, c'est promouvoir l'exemplarité écologique. En basket, à cheval, en VTT, en bateau, en canoë, en paddle. Le sport, chaque saison, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreuses à apprécier les activités de pleine nature. Mais la nature, ce n'est pas un terrain de jeu comme les autres, c'est un terrain de jeu sensible. Le sport doit être un moyen de mieux la connaître et savoir aussi la protéger. La nature, c'est aussi un espace de vie, de travail, et il faut savoir concilier l'ensemble de ces activités avec leurs contraintes spécifiques. Le respect des autres et le respect de l'environnement, cela marche ensemble. C'est tout le sens du travail de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires que nous présidons. D'autres départements ont peu investi cette mission qui nous est confiée par la loi NOTRe. Je la considère, au contraire, comme un pilier fondamental de la politique sportive. L'action du département, à ce titre, s'organise sur trois axes principaux. D'abord, le plan départemental des espaces, sites et itinéraires des sports de pleine nature et le plan départemental des itinéraires de promenade. Cela représente 63 espaces et sites sportifs de nature de qualité, dont 17 terrestres et 37 nautiques et 9 aériens, représentant 19 disciplines en tout, et un soutien technique et financier aux communautés de communes pour créer, entretenir les circuits de randonnée
Depuis 3 ans, nous soutenons également les parcours accessibles aux personnes à mobilité réduite. Notre politique de pleine nature doit aussi prendre en compte l'ADN maritime et littoral, estuarien et fluvial de notre département. Comme le nom de Loire-Atlantique nous le rappelle, notre territoire est un trait d'union entre le fleuve, l'eau douce, l'océan, l'eau salée. Parmi de nombreuses actions, je citerai le projet engagé avec le comité départemental de canoë-kayak pour développer des itinéraires de randonnée sur nos rivières et canaux. Je souligne également le travail en direction des plus jeunes sur notre base de pleine nature de Vioreau, désormais labellisée École française de voile par la Fédération française de voile, ce qui permet l'initiation à la régate et la participation aux compétitions fédérales, ainsi que l'intégration de la base aux dispositifs nationaux et régionaux de développement de la voile scolaire. Au plus haut niveau, nous avons engagé en concertation, avec les collectivités locales concernées, un partenariat important avec les organisateurs de la solitaire du Figaro. Cette course de renommée internationale, où les qualités tactiques des skippers qui s'affrontent sur des bateaux identiques sont valorisées, fera désormais partie de l'histoire sportive et nautique de la Loire-Atlantique, de ses villes et aussi de ses villes portuaires. Le troisième axe du développement des activités de pleine nature, c'est le vélo. Depuis plusieurs années déjà, nous avons identifié le vélo dans toutes ses disciplines comme un élément essentiel de l'identité sportive de la Loire-Atlantique. Là encore, cette priorité vélo s'est traduite dans nos dispositifs et se poursuivra en 2021. De l'apprentissage jusqu'au niveau, au haut niveau, avec nos 4 clubs phares, l'UCNA, Valette, Timel, DNA BMX. J'évoquerai juste 3 actions particulièrement significatives de la manière dont nous portons nos priorités citoyennes. D'abord, nous n'oublions pas notre attention aux enjeux d'égalité et nous soutenons tout particulièrement la Team L, qui fédère les clubs pour la formation des jeunes filles et qui a remporté la Coupe de France des clubs. Je pense aussi aux actions réalisées en direction des jeunes accompagnés par l'Agence départementale de prévention spécialisée. Le vélo est un levier socio-éducatif très intéressant. Une large part de ces actions a été empêchée en 2020, mais elles se poursuivront en 2021. Le vélo, pour nous, c'est aussi dans une perspective d'inclusion. Par exemple, nous accompagnons et finançons, du côté de Pornic, un circuit de vélo adapté aux sportives et sportives à mobilité réduite. L'exemplarité écologique, ce n'est pas seulement dans la pleine nature, et elle doit se vérifier dans toutes les activités. Je suis convaincue que dans toutes les disciplines, la notion de performance sera de moins en moins indissociable de cet enjeu. À la piscine, sur le terrain de foot, dans les gymnases, cette transition passe aussi par des changements de comportement. Nous avons signé en 2020 une convention avec l'association Supporter qui conduit un programme de sensibilisation très intéressant auprès des sportives et sportives et gère une recyclerie de sport. Nous passons maintenant à la politique sportive aux côtés du mouvement sportif avec l'autre diapo. Et là, je vais vous présenter rapidement nos grandes priorités. Je voudrais maintenant souligner un élément déterminant qui est la clé de voûte de notre politique sportive, notre partenariat avec le mouvement sportif. Bien sûr, les manières de pratiquer le sport se diversifient. On voit de ci, de là des salles de fitness à la pratique hors club. Mais nous considérons que le mouvement sportif, fort de ses compétences, de son histoire et de son organisation, est le vrai creuset d'un sport citoyen ouvert à toutes et tous, à tous les âges de la vie. Les fédérations, les comités, les clubs ont une mission de service public. C'est dans le partenariat avec l'État et les collectivités locales que se construit cette action d'intérêt général. La loi NOTRe avait maintenu cet équilibre en reconnaissant le sport comme une compétence partagée. Mais j'observe avec beaucoup de réserve la nouvelle gouvernance du sport qui tend, de mon point de vue, à une centralisation au niveau régional. Au contraire, je constate l'importance du travail de proximité, d'abord au niveau communal, mais aussi au niveau départemental, dans une perspective de coordination et d'équilibre territorial. Cette proximité, elle se traduit pour nous, au niveau départemental, d'abord par le pacte de coopération que nous avons signé avec 52 comités de sportifs de Loire-Atlantique. C'est essentiel. Je prendrai par exemple la question de la prévention des violences et incivilités. Cela ne peut pas être laissé à la seule initiative du club, et c'est cet engagement partagé avec le comité départemental olympique et sportif et les autres comités qui permet de mobiliser, d'alerter et d'agir.
En 2021, le mouvement sportif a besoin de stabilité pour pouvoir faire face à la crise actuelle et aux incertitudes qu'elle génère. Aussi, nous avons choisi de prolonger pour une année supplémentaire les pactes de coopération 2016-2020 avec les comités. À ce titre-là, je vous propose donc un budget de 398 000 euros. Dans cette période et ce partenariat avec les comités, on apporte également une aide aux clubs en dotation de matériel, à l'acquisition de matériel également pour le sport handi, et on finance 50% des formations des cadres bénévoles. Dans cette période, je tiens à saluer la solidité dont fait preuve les responsables bénévoles de ces comités. J'adresse un remerciement tout particulier à M. Xavier Lesauce, président du comité départemental olympique et sportif, en qualité de responsable de l'association de gestion de la maison des sports Alice Mia, qui héberge les comités. Il a réalisé avec son équipe un travail de grande qualité pour que cet équipement continue à fonctionner dans le plein respect des consignes de prévention sanitaire. Et puis aussi pour soutenir en ces temps difficiles le sport, nous avons mis en place le dispositif très vite activé, le Fonds départemental de soutien citoyen, pour aider les comités et les clubs à faire face à l'impact économique de la crise. En 2020, nous avons soutenu 48 associations et nous poursuivrons en 2021. Le mouvement sportif, c'est aussi soutenir le haut niveau, les grands événements. Là aussi, nous répondrons présents. Le département qui accompagne les 55 clubs de haut niveau jusqu'au deuxième niveau amateur masculin et féminin de la discipline. Parce que nous sommes attachés à l'éducation par le sport et aux actions en direction des jeunes, nous soutenons également 7 centres de formation labellisés. Les grands événements. Avant le brutal coup d'arrêt 2020, cela représentait environ 400 manifestations. Pour l'exercice 2021, je vous propose de prévoir en fonctionnement des crédits de 563 000 euros et 10 000 en investissement pour le soutien à des événements. Une attention particulière sera apportée aux manifestations féminines, aux compétitions handisport, aux sports adaptés et événements de pleine nature. Nous continuerons à préparer les actions qui illustreront notre labellisation comme terre de jeu dans la perspective des Jeux 2024. Notre ambition est claire, en partenariat avec le mouvement sportif, et en particulier le comité départemental olympique et sportif, faire vivre à toutes et tous les habitants du département des aventures sportives ludiques autour de cette manifestation planétaire. Enfin, puisque vous avez aperçu à l'écran actuellement, c'est le sourire de Mona Francis, une grande triathlète de Loire-Atlantique licenciée à Saint-Herblain. Championne de France en 2017 et quatrième championne du monde en 2018, je voudrais terminer cette présentation en saluant les 18 sportifs et sportives de Loire-Atlantique qui se préparent pour les Jeux Olympiques initialement programmés à Tokyo. Nous les avions soutenus en 2020. Bien sûr, en 2021, nous prorogerons notre aide pour un montant global de 45 000 euros. Pour mettre en œuvre, vous l'avez compris, tous ces projets, je vous propose de voter pour 2021 un budget de fonctionnement à la hauteur de 3 817 443 euros et en investissement 1 889 000 euros. Je termine en remerciant tous les services du département et tout particulièrement l'équipe de la direction des sports et de l'animation sportive départementale pour la qualité de leur travail et leur rattachement à un fort sport pour ses valeurs. Et un petit clin d'œil tout particulier à Anne-Flore Hervieux qui est en congé maternité depuis plusieurs mois et qui, je sais, ce matin est à l'écoute et attentive. Je veux aussi, et là je termine vraiment, souligner l'importance de l'audace politique. Je ne suis pas intervenue par rapport à mes collègues qui ont présenté leur dossier, et je tiens à le faire à la fin de mon propos. Je voudrais donc souligner l'importance de l'audace politique dont on a fait preuve durant ce mandat. Chaque individu a besoin d'une solidarité économique, culturelle, éducative, sportive, de mobilité, et j'en passe, de tout temps. Et plus particulièrement en cette période, pour prendre sa place dans notre société, patrimoine commun à toutes et tous, quel que soit son territoire de résidence. Alors oui, nos choix portent nos valeurs profondes de solidarité, cette session le démontre. Je suis à votre écoute maintenant pour les questions. Merci, la parole à Charlotte Lucchio. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. D'abord, merci Madame la Vice-Présidente pour cette présentation de la sportive faite avec panache, comme d'habitude. Bon, alors,
Malgré les nombreuses annulations d'événements au cours de l'année 2020 et sur la première moitié de cette année, vous inscrivez les mêmes budgets qu'avant la crise sanitaire, alors y compris pour les actions portées directement par le département. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Alors, il y a deux lignes budgétaires qui sont toutefois en forte hausse. Tout d'abord, le doublement du budget de soutien aux compétitions et événements, et ce qui est vraisemblablement lié au financement de la solitaire du Figaro. Quant à la multiplication par 35 du budget sport et citoyenneté, pouvez-vous nous indiquer à quelles dépenses nouvelles cela correspond, sans rentrer dans le détail, bien évidemment. Par ailleurs, nous souhaitons évoquer le sport senior, qui nous semble encore un peu plus développé dans vos propositions budgétaires. En effet, nous avons déjà insisté auprès de vous sur ce point, sans succès pour le moment, ce que nous regrettons, car il s'agit d'un public prioritaire du département et parce que nous connaissons le rôle important de l'activité physique dans la prévention de la perte d'autonomie. Alors effectivement, le contexte actuel interdit les rassemblements sportifs en salle. Toutefois, le sport en extérieur peut faire l'objet de pistes de réflexion également. Enfin, à Valette, on n'a pas que du Muscadet, on a aussi une équipe de vélo, à savoir le vélo sport Valtais, qui brille par ses performances. Et je suis ravie que le département accompagne cette équipe qui porte haut les couleurs de Valette et du vignoble nantais. Merci. Alors, en dehors de ces questions, suggestions, nous voterons bien évidemment ce dossier. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Oui, pour avoir pratiqué et le vélo et le muscadet, je vous confirme que ce n'est pas très compatible l'une avec l'autre. La parole à Karine Pavisa. Oui, bonjour. J'ai juste une question sur un des sujets, accompagner les acteurs locaux dans leurs projets sportifs sur les territoires. Je vois qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite sur le Pays de Retz. Il est marqué que c'est amené à se développer. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est marqué sur le Pays de Retz Atlantique et le Pays de Grandlieu, Machecoul et Logne. Ce pays a été arrêté en début 2015 et c'est aussi précisé les prises de compétences sport. Donc, je pense que Grandlieu n'en fait pas partie. Je suis VP au sport au niveau de la communauté de communes. Et j'en ai jamais entendu parler, donc je pense qu'il y a une erreur dans le rapport au niveau des lieux. Voilà, merci. Nous allons vérifier, merci. La parole à Erwan Bouvet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, dans ce dossier consacré à la politique sportive départementale, notre collectivité s'engage à soutenir les clubs de haut niveau et les centres de formation. Comme vous le soulignez, ce sont de véritables locomotives et la dynamique sportive, au niveau départemental. Parmi ces centres de formation figure au premier plan celui du FC Nantes, actuellement sur le site de la Jaunelière, sur la magnifique commune de La Chapelle-sur-Erdre. Un site sur lequel le département est engagé à plusieurs titres, notamment à travers son soutien aux équipes féminines du FC Nantes, et je sais que notre vice-présidente y est très attachée, qui s'y entraîne, mais également à travers son partenariat avec le Centre éducatif nantais pour sportifs, le CENS, qui jouxte ce centre de formation. Il s'agit donc d'un véritable pôle sportif métropolitain, bientôt renforcé par l'arrivée du CREPS, qui rayonne à l'échelle départementale, voire au-delà. La synergie de ces différentes structures présentes sur le même site est un atout majeur. Par ailleurs, comme vous le rappelez dans ce rapport, l'intérêt départemental de ces structures de haut niveau tient en bonne partie dans leur capacité à inspirer, à attirer et à accompagner des jeunes dans leur parcours sportif. De ce point de vue, le site de la Jaunelière, de par son accessibilité par la route ou le tram, permet d'attirer plus facilement les jeunes de notre département. Je rappelle à cette occasion que le Conseil départemental a cofinancé la liaison de tram-train qui dessert actuellement ce site. Pour toutes ces raisons, en tant que conseiller départemental, j'invite votre exécutif à s'impliquer dans ce dossier pour préserver l'implantation du centre de formation du FC Nantes à la Jaunelière. Enfin, dans,
dans le respect de l'esprit du jeu à la nantaise, j'encourage notre collègue Ali Rebou à poursuivre ses efforts, puisqu'il est également conseiller métropolitain en charge de ce sujet. Je compte sur lui pour gérer de façon dépassionnée ce dossier passionnant. Je vous remercie. La parole à Stéphane Baugé. Oui, bonjour à tous. J'ai écouté attentivement Malika Drahbi. J'ai apprécié ce discours extrêmement lyrique qui était extrêmement long. Et le budget, lui, est beaucoup plus court. Au cours de cette mandature, vous aviez complètement abandonné le soutien aux équipements sportifs. Je me réjouis que vous ayez changé d'avis. Mais pendant ces longues années, de nombreuses communes en Loire-Atlantique n'ont pas bénéficié pour leurs équipements sportifs. Et donc, pour les bénévoles qui accompagnent dans les associations sportives de Loire-Atlantique pour exercer leur activité sportive. Donc, je tenais à le rappeler. Pendant de nombreuses années, le département de la Loire-Atlantique a été absent. J'ajouterais un peu de manière maligne que vous avez beaucoup critiqué au cours de cette session l'État et de manière sibylline, vous attaquez évidemment l'exécutif présidentiel et gouvernemental sur les différentes politiques qu'il conduit aujourd'hui dans notre pays. C'est votre droit évidemment le plus strict, sauf qu'il ne faut pas faire pareil en Loire-Atlantique. Je rappelle que le ministère des Sports en France est l'un des plus pauvres, avec au budget 2020 710 millions d'euros, avec 280 malheureux millions d'euros qui sont attribués à l'Agence nationale du sport. Et en Loire-Atlantique, j'ai entendu le discours très lyrique de Malika Drahbi sur une ambition qu'on peut partager sur différents axes, mais les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Donc c'est bien d'avoir une ambition, je l'ai déjà dit, mais encore faut-il avoir les moyens financiers, parce que rapporté à l'habitant, ça fait vraiment quelques euros pour le sport en Loire-Atlantique. Donc personnellement, je le regrette et je souhaite... et espère que, effectivement, s'il y avait une alternance politique dans ce département, eh bien que nous soyons davantage généreux pour le sport dans toute sa diversité. Et n'oublions pas que derrière le sport, il y a aussi beaucoup d'associations, et je le redis, des bénévoles, bénévolus, de la bonne volonté en Loire-Atlantique. Nous n'en manquons pas dans les différentes associations sportives qui pratiquent sur tous nos territoires de la Loire-Atlantique. La parole à Christine Aurin. Merci Président et merci Malika, chers collègues, pour sa présentation de ce budget qui, à mes yeux, est un budget important, un budget qu'on échange souvent ensemble, puisque la transversalité n'est plus à faire entre le sport et l'éducation. L'éducation au sport, c'est aussi l'éducation à la citoyenneté, c'est aussi travailler pour l'égalité homme-femme, également pour l'inclusion. L'inclusion, c'est un mot qui a un sens, c'est comment on laisse personne sur le chemin, et c'est comment, quelles que soient ses origines sociales et son handicap, on peut pratiquer des activités sportives. Et merci Malika pour toutes les opportunités qui sont proposées dans le cadre du département, des cadres des activités sportives pour permettre cette inclusion qui est une chose importante et permettre aux plus fragiles de pouvoir pratiquer différents sports, de pouvoir s'initier à différents sports. C'est bien ça la démarche de nos politiques publiques et c'est bien ça la démarche que tu entraînes via cette politique de sport au département. Je voudrais revenir et dire et remercier aussi l'investissement qui est fait pour les installations sportives en partenariat avec le financement des établissements scolaires. C'est plusieurs salles de sport qui ont été cofinancées cette année pour permettre la pratique sportive en intérieur. Aujourd'hui, on sait que cette pratique est difficile et même les protocoles sanitaires font que depuis quelques semaines, les installations sportives closes ne sont plus accessibles. Et donc, de fait, merci aussi pour tout ce qui est proposé en termes de sport de pleine nature, parce que aujourd'hui, le climat que nous avons dans notre région permet le sport de pleine nature toute l'année. Quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent certains. Donc, merci pour toutes ces possibilités qui sont offertes de faire de la voile, de faire de la randonnée. Et j'espère que les établissements scolaires, les établissements de collège vont s'en emparer dans les semaines qui viennent
parce que ça permet bien une activité sportive qui peut faire défaut aujourd'hui et qui peut permettre de supporter ce contexte sanitaire qui est difficile. Notre département le permet, l'autorise. On peut faire du vélo aujourd'hui, on peut faire de la marche à pied, on peut aller courir un peu partout sur le département grâce aux différentes installations portées par le département et également grâce à l'animation et tu l'as dit, des 44 animateurs sportifs qui sont présents sur l'ensemble du territoire et qui permet d'accueillir et qui peuvent nous permettre d'accueillir les jeunes et de continuer la pratique sportive en extérieur. Je l'encourage depuis toujours. La pratique sportive ne doit pas se cantonner comme elle le fait un peu trop souvent ces dernières années que dans des salles fermées. Alors merci pour cette politique et puis aussi pour l'investissement de ces sportifs de haut niveau qui vont dans les collèges et montrer aux élèves que tout est possible et également travailler sur l'égalité homme-femme. Merci. La parole à Rodolphe Amaillant. Oui, merci, Président. Je renouvelle une troisième fois ma question dans la bonne politique publique. Je ne reviens pas sur les propos de mes collègues que je partage. Moi, je souhaitais faire un focus sur la solitaire du Figaro, qui est une magnifique épreuve, qui colle d'ailleurs parfaitement, je le dis, à notre département, qui est aussi influencé par cet arc atlantique, évidemment, et pas que par la Bretagne, comme parfois on a tendance à l'oublier. Juste une question donc sur la solitaire du Figaro. On a mis 641 000 euros, je crois, au budget 2021 pour cette solitaire. Ma question, c'était de savoir si c'était 641 000 euros pendant 6 ans, c'est-à-dire chaque année, et ce qui atteindrait 3,8 millions, ou si c'est 641 000 euros et que ça vaut pour les 6 ans. Voilà, merci de cette précision. La parole à Anaïs Kotonek. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Malika pour ta présentation. Je voulais juste rebondir également par rapport aux personnes âgées. Effectivement, nous sommes dans une situation particulière due à la crise sanitaire, mais voilà, on peut poursuivre. On a poursuivi le travail engagé. Je rappelle que par ailleurs, indépendamment du budget sportif, on agit également en transversalité via la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, où nous développons des actions et de manière importante des actions d'activité physique en direction des personnes âgées plutôt isolées, vulnérables, mais c'est aussi un développement qui s'est produit depuis 2016 de façon importante sur l'ensemble du département, avec la volonté de pouvoir travailler des activités physiques adaptées en direction des seniors, sur tout le département. Et on voit bien que nous accentuons également cette année le travail, notamment de réponse à l'appel à projet, en impliquant les CLIC, notamment également, et les unités donc PAPH des territoires, pour pouvoir répondre de façon territoriale et le mieux possible à ces besoins et ces évolutions qui sont importantes parce que, Christine Aurin l'a bien rappelé, la pratique sportive à tout âge, c'est aussi un vecteur social, mais la pratique sociale, de pratique sportive à l'extérieur, ce sont aussi voilà, des moments importants de liens sociaux et qui sont aussi vitaux, en tout cas pour mieux vieillir. La parole à Fabienne Padovani. Bonjour, merci Président. Juste pour apporter un témoignage rapide de l'implication des services des sports du département auprès des publics. Alors on sait souvent les actions auprès des mineurs non accompagnés, mais aussi sur la globalité en fait des enfants qui sont confiés
auprès des services du département, des actions que ce soit sur l'intégration, bien évidemment, hein, dans le cadre du travail de l'animation sportive des enfants qui sont confiés dans les établissements et qui sont confiés aux assistants familiaux, aux assistants familiaux. Le travail, bien évidemment, avec les mineurs accompagnés, tu l'as cité, Malika, certes, le foot les fait rêver, mais surtout, on leur apprend à faire du vélo et il nous reste à leur apprendre à avoir des cours de natation lorsqu'on pourra, lorsque de nouveau les piscines seront ouvertes, puisque bien beaucoup d'entre eux, en fait, n'ont pas pu en bénéficier dans leur pays d'origine. Et puis, rappeler que l'accès au sport, c'est l'accès pour tous et toutes, c'est se confronter aux autres, et c'est surtout pour la globalité des enfants qui sont confiés au département, vivre des moments ordinaires, et dans la 99% des cas, c'est juste ce qu'ils demandent. Donc merci à tous les acteurs du sport, que ce soit dans les clubs ou dans les services de notre département, qui sont mobilisés pour eux et pour elles. Merci. La parole à Liliane Jean. Oui, rapidement, Monsieur le Président, pour souligner aussi la transversalité de nos politiques publiques dans ce domaine-là, parce que si le département sur ces questions sportives soutient bien sûr les grands événements, il travaille également en profondeur auprès des publics les plus vulnérables, Malika l'a redit, et sur les territoires, pour donner un exemple, avec nos unités emploi qui travaillent sur un projet qui s'appelle Passeport et qui permet à des femmes, notamment, de pouvoir faire de la randonnée, de pouvoir faire de l'activité sportive et en groupe, ce qui permet à l'unité emploi de travailler sur la confiance en soi, sur la relation à l'autre, et qui permet ensuite de travailler sur les projets professionnels de ces publics-là. Des activités sportives et ou activités physiques peut-être, qui s'exercent aussi en extérieur, qui permettent à ces publics aussi de découvrir nos paysages et les beaux lieux et beaux sites, en tout cas du département. Et cette transversalité entre sport et social est essentielle, avec le lien avec nos animateurs sportifs. Et voilà, je pense qu'on peut saluer réellement ce qui a été engagé au cours de ce mandat sur ces actions-là, parce que c'est vraiment au bénéfice aussi des publics les plus en difficulté. La parole à Samuel Landier. Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues, Malika. Je voudrais vraiment saluer la présentation que vient de nous faire Malika sur la politique sportive et dire qu'elle décline pleinement nos labels diversité et égalité hommes-femmes qui ont été évidemment cités en tout début de cette session. La parole à Ali Rebou. Alors, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je vais répondre à M. Bouvet. Tout d'abord, je souhaitais vraiment remercier Malika de son implication sur le département, sur la politique sportive. En tous les cas, ça a été un vrai plaisir de travailler avec elle et de pouvoir mettre en œuvre ce qui n'est pas un slogan quand on parle du sport pour tous, vraiment une réalité, d'aller chercher les personnes les plus éloignées. Et je pense qu'on peut être fier d'avoir pu, dans cette mandature, mettre en pratique ces mots, parce que lorsqu'on parle des publics les plus éloignés, on pense à ceux qui sont porteurs d'un handicap, on pense aux personnes âgées, on pense à ceux qui culturellement ont une pratique un peu faible. Mais en tous les cas, moi je me réjouis d'avoir pu travailler pendant 6 ans avec elle. Alors, je vais répondre très brièvement parce que c'est pas l'instance pour répondre ici. Je pense que au Conseil métropolitain, vous aurez aussi l'occasion d'en reparler sur la question du centre de formation du S-Nantes. Bien évidemment, on a tous un consensus sur le fait qu'on souhaite que le centre de formation puisse rester sur la métropole et sur le centre José Arribas. Mais dans ce dossier qui est à la fois passionnant, et vous l'avez dit, Monsieur Bouvet, mais aussi qu'il faut dépassionner, il y a aussi des réalités qu'il faut prendre en compte. Hein. On voit bien que le centre de formation José Arribas est un centre de formation qui date depuis 1978. Il y a eu une évolution des effectifs, dont l'émergence de la section féminine. Vous n'êtes pas sans savoir que actuellement les équipes de filles s'entraînent dans les installations de la chapelle sur Erdre. Et en plus, on a affaire à un environnement extrêmement contraint sur lequel on travaille pour essayer de trouver des solutions qui
espérons-le, vont permettre au club de pouvoir maintenir une activité sur ce centre de formation, vous l'avez rappelé, avec le sens et l'ouverture prochainement. On peut avoir un pôle d'excellence, on travaille dans ce sens-là, mais après, il y a aussi une réalité, c'est le qui décidera ou non de maintenir son activité sur le centre de formation actuel. Mais en tous les cas, comptez sur notre détermination pour pouvoir faire en sorte de maintenir l'activité sur la métropole. Donc voilà ce petit mot qui était important de. Je pouvais répondre à M. Bouvet. Merci. La parole à Daniel Cornet. Oui, merci Monsieur le Président, chère Malika, mes chers collègues. Je voudrais également remercier Malika sur la politique sportive et sa disponibilité, politique sportive qu'elle a donc animée pendant tout ce mandat et sa disponibilité sur le terrain. J'ai pu moi-même le constater lors de manifestations sportives de haut niveau, comme le cyclocross que le département a accompagné sans faille. Ainsi, le département, que ce soit par le biais de subventions, de fonds de soutien aux solidarités, aux clubs, que ce soit sur sa présence et son soutien financier aux manifestations sportives, celles de haut niveau, je les ai citées, que ce soit également son soutien au financement des installations sportives lors de l'installation d'un nouveau collège, ce fut le cas à Pontchâteau, le département répond présent. Il répond également présent pour l'accompagnement des clubs en matière de formation, de prise en charge de formation, d'animation cantonale sportive, et le tout avec une volonté très marquée par l'égalité, pour l'égalité et la diversité des actions en matière de sport. Donc, localement, je vois moi la traduction très concrète de toute cette volonté et de la manière dont elle s'est concrétisée. Merci. Je n'ai plus de demande de parole, donc je donne la parole à Malika Traharbi, rapporteure de ce budget. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais prendre dans l'ordre. Alors, Charlotte Lucchio, vous avez posé la question sur le budget en hausse et le sport senior en berne. Alors, le budget en hausse, c'est tout simplement, effectivement, on maintient le montant du soutien aux événements, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même de grandes difficultés sur cette année 2020, et notamment pour les événements qui vont être plus coûteux, puisque ça va demander des aménagements pour le respect des protocoles. Ça, c'est une première chose pour votre première question. Sport et citoyenneté, c'est un regroupement en fait d'actions qui étaient sur d'autres lignes et qui sont aujourd'hui renforcées avec le fonds de soutien citoyenneté que vous savez déjà et qu'on a débattu d'ailleurs en commission citoyenneté. Concernant la question du sport en berne pour les seniors, eh bien là, effectivement, je partage votre point de vue, et en ce sens, nous aimerions que cela se développe plus vite. Mais cela ne dépend pas que de nous. Nous travaillons, et vous le savez bien, Charlotte, en partenariat avec les collectivités, les clubs. Sur le vignoble, des actions se consolident, et je souhaite, comme vous, que cela s'élargisse à d'autres territoires. Mais c'est l'affaire de tous. Voilà pour Charlotte. Karine, vous avez mentionné les erreurs en fait sur les lieux d'intervention de l'animation sportive. Effectivement, ce sont les quatre intercos de ces pays qui sont effectivement concernés. Donc il y a Pornic-Aglo, il y a Sud-Estuaire, Sud-Ray, Atlantique et la communauté de communes de Grandlieu. Sachez que cela commence tout juste avec cette dernière. Et les travaux qui avaient été faits, et vous aviez participé, Karine, en 2019 sur les rencontres du sport en Pays de Ray, et qui ont été un travail très fourni, puisque c'était une perspective de l'action sportive et de ce qu'allait devenir le sport jusqu'en 2050. Et dans ce colloque qui a duré tout un week-end, est ressorti aussi ce besoin. Et donc, ça commence tout juste, effectivement, dans la communauté de communes de Grandlieu. Donc, à poursuivre. Donc, finalement, même si c'est un peu trop rapide de le mentionner, elle en fera partie quand même. Erwan Bouvet, donc, a posé la question sur le FC Nantes. Je ne vais pas rajouter les éléments. Ali l'a très bien expliqué. Il faut savoir que nous n'investissons pas, en fait. Nous n'intervenons pas en investissement sur le sens et puis le club, le centre de formation, le club du FC Nantes
Donc, nous ne pouvons pas nous positionner, en fait, sur la question que Erwan vient de développer. Mais bon, Ali a bien répondu, donc voilà, j'espère que ça satisfait Erwan. Ensuite, la question qui a été posée, donc la suivante, c'était Monsieur Stéphane Boger. Alors, Monsieur Stéphane Boger, si moi j'ai une expression lyrique, je pense qu'on peut se rencontrer puisque vous avez une expression étymologique. Donc, on voit bien que à ce sujet-là, à ce niveau-là, on peut peut-être se comprendre. Eh bien, vous avez parlé d'abandon, en fait, des équipements sportifs de la part du département, avec le fait, de, vous avez souligné aussi, que nous sommes revenus sur cet investissement en équipement. Or, nous avons toujours maintenu un investissement en équipement adossé au collège, en rénovation et en construction. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous soulevez le fait que l'État est beaucoup critiqué, vous l'avez fait vous-même, et effectivement, vous le savez, la loi NOTRe fait que le sport est une compétence partagée. Donc, le département, il ne peut pas être partout. Et effectivement, ce n'est pas nouveau que l'État se désinvestit, ça fait environ 10-20 ans, qu'il y a un désengagement sur l'investissement sportif. C'est pour cela, entre autres, et nous l'avons bien décliné en commission citoyenneté, que nous axons aussi nos efforts sur les activités de pleine nature qui rencontrent un engouement extraordinaire avant la période de crise sanitaire, mais aussi en ce moment. Et je pense que ça va aussi se développer dans l'avenir. Et comme on l'a dit et redit, le département de Loire-Atlantique offre des espaces naturels exceptionnels qui permettent aussi de développer ces pratiques d'activité de pleine nature. Et ça fera le plus grand bien aussi à nos collégiens et à tous les habitants de Loire-Atlantique. Ensuite, Rodolphe Amaillan, et puis directement aussi Madame Charlotte Bouquiot, vous avez posé aussi la question sur la solitaire de Figaro. Et Monsieur Amaillan, vous l'avez posé donc mardi matin, et vous avez demandé une précision sur la participation financière du département pour la solitaire de Figaro. D'abord, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'ancrer une course nautique en Loire-Atlantique pour la première fois. Et vous l'avez unanimement plébiscité lors d'une CP. Je pense que c'était en février. Rappelons qu'en 2020, c'est Armel Lecléart, le vainqueur de Vendée Globe 2016, qui s'est imposé. Il faut être clair, l'accueil d'une manifestation de cette envergure, évidemment, coûte. C'est vrai dans toutes les disciplines. Qu'il s'agisse d'un championnat de handball à Nantes, du championnat de France de cyclisme à la Fossière ou de la solitaire du Figaro. Et là, j'ai parlé d'un ancrage inédit, puisque le départ et l'arrivée se réaliseront pendant au moins les 6 ans à venir en Loire-Atlantique. Il faut prévoir annuellement un budget d'1 million pour cet ancrage dans notre département. Ce socle d'un budget de 1,2 million d'euros, auquel il faut ajouter les charges des communes pour l'arrivée et le départ, comme le Tour de France, c'est le même principe. Clairement, en première hypothèse, les organisateurs de la course nous avaient proposé d'être seuls, partenaires publics. Mais nous avons écarté bien sûr cette hypothèse. Cela répond à la fois à un principe de réalité budgétaire et également à notre manière de travailler ensemble avec toutes les collectivités. C'est peut-être plus complexe à gérer en termes de communication, mais ce partenariat a du sens et est efficace puisque nos communes et le département accueillent beaucoup de grands événements dans une diversité de disciplines. Aussi, dans un premier temps, nous avons d'abord interrogé la région des Pays de la Loire, la métropole, Saint-Nazaire et les communes portuaires susceptibles d'accueillir cette course, ainsi que le Grand Port Maritime et le syndicat mixte portuaire. Avant de nous engager, président Philippe Grosvalet a réuni les représentants de ces collectivités en septembre dernier pour envisager ensemble ce projet. Tout le monde a confirmé l'intérêt d'inscrire dans la durée cette course dans l'histoire de nos territoires. Et Monsieur Rodolphe Amaillan, vous l'avez souligné encore en posant votre question, vous avez manifesté votre enthousiasme pour inscrire cette course dans la Loire-Atlantique. Donc, dans l'histoire, l'engagement du département correspond donc, par rapport à ce coût que je vous ai annoncé, à 50% du coût de la course. Les autres partenaires publics assumeront pour les 6 ans à venir, les autres 50%, dont 20% pour la région des Pays de Loire, c'est-à-dire 1,2 million. En clair, pour le département, cela correspond à la moitié du socle de 1,20 million
dont 510 000 euros par an, plus une contribution pour aider les communes en fonction de leur potentiel financier et technique à assumer l'accueil de la course. C'est donc dans une logique, vous l'avez compris, de coopération des territoires que le budget de ce projet est construit. Et c'est dans cette même convergence d'analyse entre toutes les collectivités et le département que nous autorisons donc, dans un accord cadre avec OCS, la recherche de partenariats privés complémentaires pour favoriser dans l'avenir le développement de cette épreuve. Voilà pour la réponse à M. Rodolphe Amaillan et à Mme Charlotte Lucchio, en espérant que cela convienne. Et puis, je tenais quand même, je crois que j'ai fait le tour des questions, il me semble. Je vérifie. Merci. En effet, je vous rappelle que nous avons un budget à voter pour cette journée. Je soumets aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. Bon, ben, Président, c'est pas ma journée. Je vote pour Hervé Corrouge. Idem pour moi, je vote pour Myriam Bijard. Karine Pavizan ne s'est pas exprimée. Est-ce que Karine Pavizan peut nous faire part de son vote? Je suppose pour... Excusez-moi, c'est que j'arrive pas à me connecter. Ah, ça y est, c'est bon. Merci, donc unanimité. Et non, une abstention, pardon, Stéphane Bouger. 61 pour et une abstention. Merci. Et je donne la parole donc à Ali Rebou pour nous présenter les dossiers ressources humaines. Monsieur le Président, chers collègues, avant d'en venir au contenu de ce rapport, je souhaite, comme beaucoup de collègues l'ont fait une nouvelle fois, à remercier vivement les agents de notre collectivité pour leur travail durant l'année qui vient de s'écouler. Leur passion pour leur travail, leur sens du service public et leur capacité d'adaptation ont permis au département de continuer à assurer efficacement ses missions au service des habitants. Je veux aussi également dire quelques mots sur la situation des collèges que nous suivons de très près. Soyons lucides, les équipes d'agents chargées notamment d'assurer l'entretien des locaux et la restauration scolaire sont en grande tension. C'est le cas dans les collèges, comme dans tous les autres établissements scolaires, comme les écoles ou les lycées. Parmi plusieurs facteurs, le renforcement des protocoles sanitaires et l'isolement des cas contacts conduisent à une forte augmentation de l'absentéisme qui pèse nécessairement sur les agents en poste. Dès le début de l'année scolaire, nous avons agi pour essayer de prévenir les difficultés. Ainsi, environ 150 auxiliaires sont actuellement déployés dans tous les collèges, contre une cinquantaine en temps normal. Cela représente de près plus de 20% de l'effectif total des agents. Alors, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc, cependant, cette attente qu'Hervé arrête. Là, je l'ai fait. Alors, je disais, cependant, cette solution n'est pas idéale. Les agents renforts ne sont pas assez formés, alors que le protocole induit un professionnalisme renforcé. Nous continuons d'explorer toutes les pistes possibles, comme le recours à l'intérim ou à la mobilisation des marchés d'entretien du département pour réaliser les prestations dans les collèges de façon exceptionnelle. Malgré ce contexte difficile, le département continue à mettre en œuvre une politique de ressources humaines au bénéfice d'un service public de qualité pour tous les habitants.
Nous poursuivons ainsi nos actions pour promouvoir la qualité de vie au travail. Parmi les projets engagés, je voudrais souligner ici la mobilisation de l'ensemble de la collectivité sur les questions de diversité et d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui nous ont permis d'obtenir la double labellisation de l'AFNOR sur ces questions. Et je remercie bien évidemment mes deux collègues, Marie-Paul Gaillochet et aussi Hervé Courrouge. Nous avons également débuté des négociations avec les organisations syndicales pour renouveler le contrat de prévoyance des agents qui a été prolongé d'une année. Une consultation sera lancée à l'issue de l'adoption du budget. Par ailleurs, nous avons mis en place depuis début février le congé proche aidant qui permet à un agent de prendre du temps pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie, d'une perte circulaire gravité. Enfin, nous avons aussi acté avec les organisations syndicales la création d'un groupe de travail sur la question du télétravail. Ce sujet est évidemment d'une actualité forte en raison de la crise sanitaire, mais il faut aussi noter que le nombre d'agents qui souhaitent télétravailler de manière régulière, hors contexte Covid, a doublé entre 2019 et 2020. Ce sont désormais plus de 1000 agents du département qui souhaitent travailler à distance sur une partie de leur temps de travail. L'année 2021 sera également marquée par la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la collectivité. Je ne reviendrai pas sur ce dossier présenté lors de la dernière session, même si à la lecture de vos tribunes dans le dernier magazine, des incompréhensions fortes semblent demeurer malgré les explications détaillées apportées en commission. Enfin, notre engagement en matière de ressources humaines vise aussi à permettre de soutenir l'insertion professionnelle des publics prioritaires. Ainsi, le soutien à l'insertion des jeunes par le moyen d'apprentissage a été fortement mobilisé. 156 apprentis auront été recrutés par le département depuis 2015, soit plus que nous avions inscrit dans notre projet stratégique. À noter aussi le renouvellement de la convention avec le FIPH, le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui souligne l'engagement constant du département dans ce domaine. Cela se traduit par un engagement de plus d'un million, 1 million d'euros de notre collectivité jusqu'en 2023, afin notamment d'adapter les postes de travail ou de financer le reste à charge des techniques. Et pour finir, sur la création de postes, enfin, il s'agit principalement de prendre en compte la création d'un nouveau collège public à Loire-Auxances qui ouvrira en septembre et de créer en conséquence les postes d'agents nécessaires à son bon fonctionnement. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je n'ai pas de demande de parole. Peut-être une explication de vote de la part de Gatien Meunier. La parole à Gatien Meunier. Oui, merci, Président. Oui, bien sûr, nous interviendrons et ce sera également une explication de vote. Mais notre vice-président a les rebouches, je me joins à lui pour effectivement saluer quand même le travail et le travail des agents du département et tout particulièrement ceux de la direction des ressources humaines, car ils ont eu un travail très important, une mission importante à accomplir à l'occasion de différentes réformes. Puis bien sûr, saluer, on l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la commission finance, également l'engagement de notre vice-président sur un poste ô combien sensible. Mais, passé ces propos liminaires, je voudrais revenir au fond du dossier. Et ce budget relatif à la gestion des ressources humaines, sur ce budget, la principale évolution concerne la hausse de l'enveloppe consacrée à la masse salariale, une hausse de 3 700 000 euros, une hausse qui est principalement liée d'ailleurs à l'augmentation de 2 500 000 euros générée par le dispositif RIFSEP. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer nos réserves quant aux modalités choisies pour ce RIFSEP et qui n'apporte aucune reconnaissance du travail et de l'engagement de nos agents. Je n'insisterai donc pas sur ce point. Toutefois, l'année 2021 va également marquer le lancement, je dirais enfin, du projet d'alignement sur le temps de travail légal des 35 heures, une démarche amorcée bien tardivement et j'ajouterai quelque peu sous la contrainte de la loi, alors que nous la réclamions depuis des années, souvenez-vous. À ce propos, je veux seulement exprimer à nouveau nos regrets que ces réformes relatives à la rémunération des agents et à leur temps de travail ne soient pas mises en cohérence dans un plan d'ensemble d'un niveau plus stratégique et plus ambitieux pour notre service public.
aussi cela rejoint des remarques que nous avons pu faire tout au fil du temps. En parlant de vision stratégique, nous avons abordé à plusieurs reprises la mise en place de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Cette gestion que nous appelons de nos voeux a été mise en place progressivement par direction. Pourtant, le rapport présenté aujourd'hui, semble-t-il, ne mentionne aucune démarche pour 2021. Alors une question, cela signifierait-il qu'aucune direction ne bénéficiera de ce travail durant cette année? C'est une question. S'agissant par ailleurs du télétravail, vous annoncez un groupe de travail sur l'évolution des règles qui l'encadrent. Cela fait, semble-t-il, bientôt un an que le télétravail massif a été mis en place pour faire face à la crise sanitaire que nous évoquions. Il nous paraît donc grand temps d'entamer ce travail de réflexion. Nous souhaitons également que soit présenté aux élus un bilan de cette année de crise sanitaire sur le plan des ressources humaines, pour mieux connaître les postes qui sont restés en présentiel et ceux qui ont pu poursuivre leur mission en télétravail. Si vous voulez, il nous semble intéressant qu'on puisse avoir une vision un peu plus globale de la situation, de même que ceux dont les missions ont été partielles ou totalement interrompues, et surtout les moyens qui ont été mis en place par la collectivité pour mobiliser au mieux l'ensemble de nos agents en fonction des besoins et de leur permettre ainsi de travailler efficacement dans les meilleures conditions. Alors, c'est très long mon propos, mais en gros, nous souhaiterions avoir un bilan de la situation à tout le moins. Enfin, s'agissant du service public itinérant départemental, sa configuration telle qu'elle est présentée dans votre stratégie numérique ne change pas, nous semble-t-il là encore, mais le budget affecté dans ce dossier, RH, est réduit de moitié. Alors là encore, une dernière et ultime question. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi de cette évolution? Et enfin, et comme à l'accoutumée, cette politique des RH n'étant pas la nôtre, nous ne participerons pas à ce vote. Voilà, je vous remercie. La parole à Pascal Bolo. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour faire plaisir à nos amis de Ouest-France. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais sur cette politique-là, moi, je voudrais simplement témoigner du fait qu'il y a dans la collectivité départementale une grande qualité de dialogue social et que cette grande qualité de dialogue social, elle doit quand même beaucoup, il faut bien le dire, et je voudrais le souligner, aux qualités d'écoute et d'empathie de notre ami Ali Rebou. Il se souvient qu'au début de ce mandat, quand il avait accepté cette proposition que vous lui aviez faite, Monsieur le Président, de s'occuper des ressources humaines du département, je lui ai dit, mon pauvre ami, dans quelle galère tu as été te mettre? Eh bien, pas du tout, je me trompais, et je voudrais vraiment souligner que le caractère apaisé du dialogue social qui a été et qui est particulièrement nécessaire dans les périodes extrêmement troublées que nous vivons, puisque y compris les professionnels de l'action sociale, qui restent notre priorité absolue, ont dû changer leurs pratiques professionnelles, découvrir que l'accompagnement par téléphone des allocataires du RSA était une chose possible, mais qui nécessitait des remises en cause. Et bien, je crois que si tout ça a été possible, c'est parce qu'il y a un dialogue social apaisé dans notre collectivité, qu'il y a une écoute et un sens du dialogue qu'il faut saluer et qu'il faut soutenir. Donc moi, je voulais juste intervenir pour remercier Ali de tout ce travail qui a été fait dans ce domaine. Le département n'est pas une galère, c'est au contraire un magnifique navire, peut-être à voile alors, qui navigue sur les flots et qui traverse même les tempêtes. Et la parole à Samuel Landier. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais effectivement aussi revenir sur la présentation de la politique RH par Ali Rebou. Je m'associe pleinement aux propos tenus immédiatement par Pascal Bolo, que j'ai même moi eu la possibilité de
vivre en participant aux commissions administratives paritaires. Et effectivement, le dialogue avec les organisations syndicales est très constructif et apaisé. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et puis, insister également sur l'engagement de notre collectivité pour les personnes en situation de handicap, puisque une démarche a été engagée sur une réflexion sur la mise en accessibilité des logiciels métiers. Monsieur le Président, vous-même, vous avez sollicité l'Association des départements de France pour qu'une réflexion globale soit prise en compte sur ce sujet par les conseils départementaux et que les logiciels métiers puissent être accessibles à tous. Et puis, d'autre part, une demande à l'Association des éditeurs de logiciels a été faite très récemment pour qu'une stratégie nationale sur ce sujet par ces mêmes éditeurs soit mise en œuvre au sujet de la réflexion sur l'accessibilité des logiciels métiers, qui est un vrai frein à l'embauche des personnes en situation de handicap. Donc, je suis très heureux et très fier que notre collectivité s'empare de cette démarche pour initier une dynamique nouvelle du service public sur ce sujet très précis. Et encore merci Ali pour ton engagement évidemment à ce sujet. La parole à Carole Grelot. Hop là, ça y est, je suis contente parce que cette fois-ci j'ai compris comment ça fonctionnait. Je vais évidemment aller dans le même sens que mes collègues, mais c'est parce que ce dialogue social dans cette collectivité, je peux en témoigner, il existe et il existe bien, puisque j'ai l'occasion avec Samuel et avec d'autres collègues de participer aux fameuses CAP en particulier, d'autres réunions aussi, mais celle-ci en particulier, et avec en présence la présence des représentants du personnel. Et je peux témoigner qu'effectivement le dialogue est bien là, les échanges sont là, et ça fait vraiment partie intégrante du travail qui est produit. Et il faut bien le reconnaître, c'est bien parce que notre vice-président ici présent a su établir des relations, de très bonnes relations avec les représentants du personnel. Je suis un peu étonnée de la remarque par rapport au RIFSEP, parce que c'est bien ce travail-là qui a été effectif, qui là aussi a été réalisé avec les organisations, les représentants du personnel. Et ce RIFSEP, effectivement, a des conséquences, et ces conséquences financières vont bien dans le sens et dans un plus pour les agents, avec aussi une reconnaissance de leurs compétences selon les métiers. Et oui, ça a des conséquences financières. Eh bien, j'en suis forcément très contente pour les personnels, parce que c'est aussi une attente de leur part. On n'a pas toujours la même chose du côté du gouvernement. Et puis, la dernière chose sur laquelle moi, je comptais intervenir, c'est sur le télétravail. Or, on sait très bien, on en a parlé plusieurs fois dans le cadre de notre commission, la commission finances et ressources humaines. Donc il y a eu une première année avec un essai qui a été, c'était la première année, effectivement il y avait eu un bilan de réaliser, et tout le monde se questionnait aussi par rapport à ce télétravail, mais heureusement, et bien en a pris au département de mettre en place cette forme de travail, parce qu'on a bien vu, on le vit actuellement, le département avait un train d'avance sur beaucoup de collectivités et a pu donc continuer à faire fonctionner notre bonne maison départementale pour justement être toujours là, prêt, pour nos concitoyens, et en particulier les concitoyens les plus fragiles. C'est sûr que là, dans le cadre de la période que nous vivons actuellement, un bilan sera intéressant, mais je dirais qu'on est encore un peu tôt pour pouvoir penser à faire ce bilan. Il se fera aussi au moment où on reviendra, je l'espère, à des temps un peu plus calmes et qui nous permettront d'effectuer ce genre de bilan.
Voilà, en tous les cas, Ali et bien évidemment tous les personnels hein, qui travaillent avec lui et puis l'ensemble des collègues aussi, puisque l'ensemble des collègues sont concernés. On travaille de manière transversale, surtout lorsqu'on parle de ressources humaines. Eh bien voilà, bravo à vous. Et puis je pense qu'il faut bien sûr continuer dans cet esprit, en ayant toujours des relations très fortes au niveau des représentants des personnels, et ça c'est très bien. Merci. La parole à Jean Charrier. Merci, Monsieur le Président. Je voulais moi aussi témoigner sur le travail de Ali en direction du dialogue social. Je peux témoigner que, effectivement, rien que dans la réorganisation des centres d'intervention, le travail qu'il a pu mener avec l'ensemble du personnel pour avoir un consensus et une amélioration des conditions de travail pour les agents. Et je crois qu'il a fait un travail en profondeur et de très grande qualité. Donc, je tiens à le remercier. Et puis, je voudrais aussi remercier quand même les agents pendant cette période de confinement, le travail qu'ils ont pu réaliser, que ce soit la direction des déplacements, que ce soit la direction des infrastructures, que ce soit dans les délégations. Je rappellerai que pendant ce confinement, ils ont pu continuer à travailler, notamment sur le pont de Mauves, pour poursuivre les travaux, pour éviter de trop décaler ces travaux, de trop augmenter le temps de travaux hein, et les inconvénients que ça pouvait porter sur les fermetures, mais également sur le pont de Varade, le travail réalisé dans des périodes très difficiles et sur des périodes, dans ces périodes également, je peux évoquer le travail réalisé sur l'échangeur de Vienne, parce que malgré tout, ce travail a pu continuer et c'est grâce aussi à nos agents. Et je tiens à les féliciter et à féliciter tout le monde, ainsi que, comme je le disais, ainsi que Ali Rebou. Merci. Merci. La parole à Ali Rebou. Alors, ben, d'abord, merci pour ces témoignages qui font chaud au cœur. En effet, c'est vrai, quand le président m'avait proposé cette mission, j'avais accepté. Il m'avait dit, je me permets de le dire, président en session, j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'empathie et de l'écoute. Donc, j'ai essayé de le faire, mais j'ai été aussi à la fois accompagné par mes collègues. Moi, je remercie vraiment tous ceux qui participent avec moi de manière fidèle. Samuel, tu l'as dit, Carole et bien d'autres sur les commissions paritaires, parce que c'est aussi un travail d'équipe. Et je remercie aussi la direction des ressources humaines qui, dans sa disponibilité, dans son écoute, a contribué à faire en sorte qu'on puisse, et je pense que c'est une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir, parce qu'on l'entend à l'extérieur, de dire qu'au département, on a un dialogue social apaisé, respectueux, et je dis bien respectueux. Et moi, je remercie vraiment les organisations syndicales de leur investissement et de leur capacité aussi, quelle que soit la diversité de ces organisations, d'être en capacité, au-delà d'être dans les revendications, d'être capable de faire des propositions qui sont souvent extrêmement pertinentes et qui sont justifiées. Donc, j'ai pris du plaisir dans ces 6 ans à pouvoir travailler. J'ai appris aussi à leur côté. Et je pense que ça, c'est une fierté que je pourrais avoir après, me dire qu'au moins on aura pu, dans ce mandat-là, faire en sorte d'améliorer à la fois les conditions de travail et faire en sorte que des gens puissent être extrêmement engagés, investis, on l'a vu, durant le confinement, qu'on a pu compter sur eux. Pour revenir sur les questions de notre collègue Gatien Meunier, donc, plusieurs choses sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Bien évidemment, on n'est pas à l'arrêt, hein. On a sur 2021 un travail avec, par exemple, les archives, avec aussi la direction des infrastructures, mais aussi sur certains métiers comme les postes de secrétaire et de comptable. Donc, on est toujours en mouvement. C'est toujours au quotidien qu'on travaille sur ces questions-là. Sur le télétravail, ça a été dit à plusieurs reprises. Et c'est vrai que l'expérimentation qu'on avait lancée en 2018 avec 100 agents ont été extrêmement bénéfiques pour nous au moment de la crise, hein, même si on n'avait pas pu prévoir qu'il y avait cette crise. On était parti avec 100 agents en expérimentation en 2018 et on avait dit ce dispositif se fait sur la confiance et c'est parce qu'il y avait une confiance entre les agents et les cadres que ça a pu se développer de manière massive. 200 en 2019
450 en 2020 et 1000 en 2021, et tout à fait favorable pour faire un bilan avec vous, pour vous montrer un petit peu comment on a pu organiser les choses durant ce temps si particulier qu'est le confinement. D'autres questions avaient été posées, je les regarde, donc j'ai peu si on en a parlé. Groupe télétravail, j'en ai parlé. Et puis je crois que j'ai répondu à toutes les questions, mais vraiment je voulais vous remercier pour vos témoignages et surtout pour votre investissement auprès de vos directions. Et puis je remercie aussi Gatien pour ses remerciements, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sincérité dans ses propos et on peut être fier d'avoir une collectivité qui peut répondre présent dans des moments qui sont n'ont pas été simples pour nos concitoyens. Et on a su, ils ont su répondre présent, et merci en tous les cas à eux une nouvelle fois pour leur investissement. Si peut-être une dernière chose sur le temps de travail, en effet, on a un calendrier qui nous oblige de devoir passer en session un an après la prochaine élection les nouvelles mesures pour une mise en application en janvier 2023. Donc, on a fait le choix de dire on travaillera après l'élection, alors ceux qui seront en responsabilité, pour pouvoir se donner un an, pour pouvoir travailler sereinement sur ce temps de travail. Donc voilà ce que je pouvais répondre sur cette délibération. Merci. Donc je propose de mettre aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. Françoise Améon n'a pas voté, a voté. Voilà, donc 32 pour et 30 ne participent pas au vote, ne prennent pas part au vote. Merci. Avant de passer au dossier suivant, je voulais vous donner une petite information. Je vous ai indiqué hier que nous allions engager une procédure en référé pour libérer et rétablir l'ordre sur la route départementale sur le site du Carnet. Et au préalable, il nous fallait faire procéder à un constat d'huissier pour engager cette procédure en référé. Je voulais juste vous informer que ce constat avait eu lieu ce matin sous protection des forces de gendarmerie que je remercie, et que notre huissier a dû rebrousser chemin sous la menace de barres de fer et de jets de pierre. Donc ceci démontre à l'évidence, et nous en aurons évidemment quelques témoignages, les tensions qui règnent, et j'espère que le préfet saura en tenir compte et qu'il répondra rapidement à la demande des élus locaux telle que nous la formulons. Et j'invite Yannick Horry à faire cette communication directement auprès du ministre, parce que je pense que là l'urgence est telle qu'il va falloir que les choses ne s'enquistent pas comme elles l'ont été en d'autres lieux et trop longtemps. Voilà, donc je ne souhaite pas ouvrir le débat. C'était une information dont je tenais à vous faire part. Voilà, merci. Donc, je donne la parole maintenant pour les dossiers qui me concernent, mais s'agissant des solidarités internationales, dossier suivi par Madame Salé. Donc, je donne la parole à Fanny Salé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors que le monde se trouve dans une phase dangereuse et instable du fait de la pandémie de Covid-19, nous avons plus que jamais besoin de solidarité et de coopération internationale. Selon le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, le monde est confronté à de graves problèmes de sécurité qu'aucun pays ou organisation ne peut résoudre seul. Il y a un besoin urgent d'unité et de solidarité mondiale, a-t-il dit. Comme nous l'avons dit et partagé durant ces trois journées de session, la crise de Covid-19 impacte fortement les solidarités, toutes les solidarités, aussi bien en France que dans le monde. Pourtant, ce sont bien les solidarités
articulés au niveau local, national et international, qui pourront permettre de construire des réponses équitables, cohérentes et durables face aux défis actuels. Tout au long de l'année 2020, les activités de notre politique de solidarité internationale ont été profondément bouleversées. Cela a nécessité que nous réajustions nos priorités, que nous réinventions notre façon de nous mettre en lien et de poursuivre nos engagements. Si toutes les missions et accueils de délégations ont été annulés en 2020, alors que nous devions accueillir nos partenaires béninois pour signer notre convention de coopération décentralisée, pour autant, les échanges et soutiens sur les projets engagés ont été préservés et renforcés grâce à la mobilisation active des partenaires et associations qui font la richesse de notre département. Donc, dans un premier temps, pour 2021, je voudrais vous présenter la continuité des projets sur lesquels nous allons travailler et des projets qui vont nous permettre de renforcer ces dynamiques associatives porteuses d'ouverture et d'engagement. Sur le volet de ces coopérations décentralisées, grâce aux nouvelles technologies, le réseautage entre les associations tunisiennes, palestiniennes, marocaines de lutte contre les violences faites aux femmes vont se poursuivre en 2021 et s'approfondir dans les prochains mois. Nous espérons, pour ne pas dire nous rêvons, de pouvoir accueillir à la fin de l'année 2021 nos partenaires pour débattre sur les pratiques, contribuer à la formation sur l'écoute des femmes, échanger autour des dispositifs d'hébergement et de mise à l'abri des femmes. Nous espérons pouvoir tenir cette conférence sur le dernier trimestre de l'année 2021. Parallèlement sur cette politique, nous maintenons un soutien financier aux associations marocaines et tunisiennes qui aident les femmes victimes de violences domestiques. Nous allons aussi poursuivre les projets sur la jeunesse et les pratiques sportives. Au Maroc, cela se traduit par la poursuite des travaux d'amélioration des conditions de vie des jeunes collégiens et lycéens, dans les foyers d'étudiants qu'on appelle les Dartalib et les Dartaliba. Nous allons aussi poursuivre nos engagements autour du soutien à la réussite scolaire sur la communauté de communes d'Adjoun au Bénin. Et en Palestine, nous allons aussi maintenir et renforcer les échanges virtuels entre les collégiens de Marche Ben Hammer et les collégiens des collèges de Jacques Brel de Guérande et Bellevue de Guémené. Cependant, le déploiement du projet sportif de territoire avec la municipalité de Marche Ben Hammer va être décalé dans le temps que les frontières réouvrent et que les mobilités de professionnels puissent reprendre. Sur le volet d'appui et de soutien à la décentralisation en Tunisie, le département a obtenu un budget de 35 000 euros pour mettre en œuvre un nouveau projet de formation à destination des élus, projet sur les deux précédentes années pour lequel un certain nombre d'entre vous avaient été mobilisés. Pour ce nouveau projet, nous nous appuierons sur les ressources du CNFPT et de notre collectivité pour un déploiement de ce programme qui sera prévu sur deux années, 2021 et 2022. Enfin, sur la Palestine, nous sommes engagés aux côtés du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine dans une campagne de dénonciation du plan de paix imposé par l'administration Trump, projet qui entérine une politique d'annexion des terres de la vallée du Jourdain. Nous avons apporté notre soutien à cette politique de lutte contre cette politique et formellement, symboliquement, nous parrainons un village de la vallée du Jourdain, le village d'Al-Zbaydat. Sur le volet du soutien aux initiatives associatives, nous allons poursuivre le soutien aux associations qui agissent sur l'éducation à l'Europe en apportant notre contribution à la Maison de l'Europe, à l'association Graines d'Europe et à Euradio Nantes. Pour l'appel à projet Solidarité sans frontières, qui permet de soutenir les projets des associations qui agissent à l'international, nous avons maintenu cet appel à projet et les associations peuvent répondre d'ici le début du mois de mars. Plus que jamais, il est absolument nécessaire de préserver les moyens d'action de ces associations, de préserver les dynamiques engagées entre les acteurs. Il est important que cette crise sanitaire n'occulte pas les autres enjeux de développement et d'éducation sur lesquels travaillent ces associations.
Le deuxième axe de notre politique de solidarité internationale consiste à réorienter quelques actions vers la protection des populations et soutenir les moyens de lutte contre cette crise. C'est par exemple le cas au Bénin, où nous allons soutenir des actions de sensibilisation auprès des collégiens de cette communauté de communes d'Adjoun. Actions de soutien qui vont se traduire par la remise de kits de protection aux établissements, aux élèves et à leurs familles. Du soutien qui passera aussi par l'apport d'ordinateurs et de connexions numériques pour leur permettre de suivre les cours. En Palestine, toujours sur ce volet de soutien à la protection des populations, nous avons été lauréats de l'appel à projet franco-marocain du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un projet qui vise à équiper les centres de sécurité civile du gouvernorat de Jénine, les équiper en appareils respiratoires, ainsi que l'ensemble des pompiers de Cisjordanie en kit de protection. Nous soutenons aussi le centre de santé de Marche Ben Hammer pour l'acquisition de matériel médical destiné à prendre en charge les patients dans la lutte contre la pandémie. Toujours sur ce volet, nous contribuons aussi au fonds de soutien sur la prévention de la COVID, fonds qui a été initié par le réseau de coopération décentralisé avec la Palestine, et ce fonds est plus particulièrement destiné aux villages de la vallée du Jourdain. Nous avons fait aussi le choix de nous inscrire dans une action plus globale de soutien à l'Afrique avec l'appui du fonds d'urgence déployé par Cité Unie France. Ce fonds sera mobilisé au service de deux pays, le Ghana et le Mali, et permettra de soutenir des actions de sensibilisation pour la population aux gestes de prévention. Cela permettra aussi d'investir dans du matériel de protection ainsi que le soutien à la relance d'activités génératrices de revenus. Cependant, pour 2021, compte tenu des incertitudes, des variants et des variations autour de la crise sanitaire, un certain nombre de projets qui impliquaient de la mobilité sont suspendus ou reportés. C'est le cas de toutes les mobilités de nos partenaires impliqués dans les coopérations décentralisées. Dès que cela sera possible, nous relancerons ces accueils et j'espère que nous aurons très vite le bonheur de pouvoir les retrouver. Jusqu'au dernier moment, comme je l'avais annoncé à la Commission citoyenneté, nous pensions pouvoir soutenir une partie du programme de service civique des jeunes Tunisiens qui devait arriver au cours du mois de février. Mais devant le renforcement des mesures sanitaires, le risque d'un reconfinement en France et la fermeture des frontières, la décision a été prise en fin de semaine dernière de reporter cet accueil de jeunes Tunisiens. Toujours pour ces mêmes motifs, nous avons aussi renoncé au recrutement des ambassadeurs internationaux qui interviennent dans les collèges pour sensibiliser les collégiens. Et toujours dans les collèges, les activités proposées aux collégiens de mobilité au niveau européen, avec un programme qui s'appelle Phileas Fogg, qui est un programme soutenu aussi par la DAREC, ce programme sera fortement réduit sur 2021, les équipes pédagogiques dans les collèges étant fortement préoccupées d'abord de la continuité scolaire. Reporter aussi le programme de congé solidaire proposé aux agents du département en partenariat avec l'association Planète Urgence, association qui est indispensable pour le département pour mener cette politique de congé solidaire, ce qui justifie un soutien financier exceptionnel accordé à cette association. En conclusion, le budget consacré aux solidarités internationales sera en baisse de 7,35% sur 2021. La crise sanitaire de la COVID-19 a aggravé la situation du monde et impacté particulièrement les personnes les plus vulnérables. Pourtant, malgré ce climat déprimant et anxiogène, cette crise n'a pas eu raison des solidarités. Elle a peut-être même renforcé la capacité des citoyens et citoyennes à s'entraider au niveau local. Cette année 2020 a peut-être été celle du coronavirus, mais 2021 sera également celle des solidarités en action. Et la politique de solidarité internationale du département, avec sa formidable équipe, sera mobilisée et engagée pour relever ces défis. Merci. Merci. Je n'avais pas de demande de parole. Gatien Meunier a souhaité s'exprimer. Oui, président, c'est une
explication de vote pour dire que, bien sûr, nous voterons ce dossier, car je tenais à le dire, nous aussi, nous saluons et soutenons ces politiques internationales, notamment ces politiques de solidarité internationale. Et j'ai souvenir de mon dernier séjour avec vous-même d'ailleurs en Tunisie, où j'ai pu mesurer l'impact qu'elles avaient auprès des populations et tout particulièrement des jeunes. Donc voilà, nous restons ouverts à ce type d'agissement, à ce type d'action au service de nos pays amis, et des populations qui sont concernées. Voilà, merci. Merci. La parole à Malika Tararbi. Merci, Président. Je souhaitais intervenir d'abord pour remercier Fanny Salé pour son engagement sans faille pour cette délégation qui lui a été confiée et tout le travail qu'elle a accompli avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, qu'elle a su partager avec nous tous, avec tous les élus du département. Et donc un grand, grand merci Fanny. Et aussi ajouter, et c'est peut-être un élément de langage pour certains, mais ça ne l'est pas pour moi en tous les cas, cette histoire de frontières, hein, ce Covid, on l'a entendu, cet élément-là. Ce Covid nous montre bien que les frontières, ce sont des constructions humaines, donc les frontières internationales, les frontières aussi nationales, régionales, communales, départementales. Et que ces solidarités-là, comme vient de le dire Fanny, nous rappelle qu'on est vraiment tous ensemble impactés par ce qui se produit d'une manière universelle. Donc, je rejoins complètement Fanny pour dire que l'année 2021 sera celle des solidarités. Merci, Fanny. Merci. Je n'ai plus de demande de parole. Un mot pour, évidemment, m'associer à tout ce qui a été présenté par Fanny Salé, pour dire que effectivement dans cette crise dramatique que nous traversons, que le monde traverse, mais que la France traverse, où plus de 80 000 de nos concitoyens ont perdu la vie, où évidemment cette crise nous incite à nous enfermer, à nous protéger, parfois même à nous recroqueviller, il est bon que nous puissions ouvrir notre regard sur le monde et particulièrement par rapport aux engagements que nous avons en matière de solidarité internationale avec nos amis du Maroc, de Tunisie, de Palestine ou du Bénin. Alors il me manque parce que nous devions les recevoir, il me manque de les serrer dans nos bras comme nous serrons nos amis, mais surtout je constate dans ces moments extrêmement difficiles que parfois, évidemment, la souffrance est encore plus forte ailleurs et que ces frontières qu'évoquait Malika Tararbi tout à l'heure dans certains pays, et beaucoup, quelques-uns d'entre vous m'ont accompagné dans les territoires palestiniens, se traduit par pas simplement des frontières, mais des murs pour séparer les uns des autres. Et si ce mur, et nous en réjouissons, tombe aux frontières du Mexique aux États-Unis avec le nouveau président des États-Unis, il n'en reste pas moins que ce mur demeure en territoire palestinien. Mais un mur physique, bien sûr, mais un mur qui, dans cette crise terrible, fait, on a beaucoup parlé d'Israël, s'agissant des vaccinations, mais n'oublions pas que pour une population équivalente de 8 millions, de 16 millions d'habitants répartis entre Israéliens et Palestiniens sur ce même territoire, eh bien, que ces millions et ces dizaines de millions de vaccins sont réservés aux seuls Israéliens par ce gouvernement et que sous la pression internationale, ils ont daigné distribuer 5000 vaccins pour les plus de 8 millions de Palestiniens. Donc les frontières ne sont pas que physiques, elles sont politiques. Et donc dans ces mêmes moments, nos amis palestiniens nous adressent des messages de solidarité et de fraternité qui sont exemplaires et qui doivent effectivement nous inspirer, comme le disait tout à l'heure notre collègue Gatien Meunier. En tout cas, merci à toutes et à tous et je crois que nous pouvons aussi être très fiers collectivement
de pouvoir engager ces solidarités, bien sûr, dans d'autres pays, mais également au-delà de nos frontières, et elles sont d'autant plus utiles dans ces moments de crise internationale. Voilà, je pense, Fanny, qu'il n'y a pas eu de questions particulières, donc je propose de mettre aux voix ce rapport et je déclare le scrutin ouvert. Désolé, je suis connecté, je vote pour Gaïoche. Marie-Paul, il reste Carole Grelot. Je suppose que Carole vote pour, donc on va considérer que Marie-Paul Gaïoche et Carole, voilà, Carole a voté. Donc, unanimité, merci. Et nous transmettrons à nos amis ce vote unanime en faveur des solidarités internationales. Je vous propose, dans la suite, de vous présenter la politique communication de notre collectivité, en considérant que cette politique est une politique à part entière, d'autant plus d'ailleurs dans ce moment de crise que nous traversons, puisqu'il faut évidemment tenir informés nos concitoyens de l'ensemble des actions qui sont entreprises au travers d'un certain nombre de moyens, donc à la fois des moyens d'information, et je ne reviens pas sur le magazine départemental qui est distribué à près de 700 000 exemplaires, mais c'est aussi une information utile à nos concitoyens, et notamment avec les, non pas les nouveaux outils, puisqu'ils sont aujourd'hui ancrés dans nos pratiques, mais les outils de communication que sont par exemple les réseaux sociaux ou les sites internet que nous développons pour chacune de nos politiques dans le domaine de la parentalité, de l'enfance et puis plus récemment dans le domaine du handicap avec un site particulier pour la maison départementale, la MDPH, maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est aussi une politique de promotion de nos territoires. On a beaucoup parlé ces derniers jours de politique économique, de politique touristique. Il faut que ces politiques soient soutenues par une promotion, une politique de promotion de notre territoire et une politique qui soutient une image positive de notre département à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur de notre département. Voilà, évidemment, cette politique de communication développe également l'ensemble des supports qui sont liés à l'ensemble des actions, manifestations, événements que nous accompagnons. En clair, cette politique nécessite un budget pour pouvoir l'assumer. En 2021, je vous propose une enveloppe de 2 945 000 euros, soit une enveloppe équivalente à l'euro près à ce qui avait été engagé pour l'exercice 2020. Voilà, mes chers collègues, pour cette politique publique d'information, de communication. Et je donne la parole à Gatien Meunier. Oui, merci, Président. Je ne ferai pas de communication particulière sur cette politique, sauf à vous dire que nous ne participerons pas au vote. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci. Donc, je mets aux voix ce rapport. Le scrutin président. Est ouvert. Pardon. Je n'avais pas vu la parole. La parole à Erwan Bouvet. Oui, merci Président. J'ai levé la main tardivement de mon côté. Merci donc, mes chers collègues. Je souhaitais faire une courte intervention et intervenir à nouveau sur la distribution du magazine départemental. En effet, la semaine dernière, j'avais dans ma boîte aux lettres le magazine, comme tous les habitants de Loire-Atlantique, mais j'avais également une enveloppe du département affranchie au tarif d'1,74 € avec comme unique document le même magazine à l'intérieur. Alors, cette simple expédition inutile pour les 62 élus départementaux représente sur un mandat une dépense dépassant les 3 800 €. Il faudrait rajouter les frais d'impression et de mise sous pli, mais je n'ai pas ces éléments. Il faut aussi préciser que certains élus, également maires, ou des élus qui sont agents du département, reçoivent ce magazine en triple exemplaire.
Je vous accorde que c'est une goutte d'eau dans le budget départemental, mais il n'y a pas de petites économies, tout particulièrement dans le contexte budgétaire actuel. Mais le plus gênant est la contradiction qui existe entre la volonté affichée du département d'être exemplaire dans le domaine du développement durable et cette réalité. Je formule donc le souhait, à nouveau, que dans la prochaine mandature, nous puissions mettre un terme à ce gâchis. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autre demande de parole. Un sou est un sou, disait ma grand-mère, et elle avait bien raison. Donc, nous veillons évidemment à un usage extrêmement attentif des deniers publics. Mais nous ne vous l'adressions pas par voie postale, vous nous reprocheriez peut-être de ne pas le recevoir dans votre boîte à lettres. Il faut considérer évidemment que nous essayons de croiser au maximum, mais que c'est la transmission par la poste est aussi un mode de transmission qui nous assure qu'à tout le moins, les personnes cibles puissent le recevoir. Mais si vous êtes volontaire, évidemment, nous pouvons aussi, puisque nous avions fait cette tentative, ne vous l'adresser que par Internet, puisqu'il est accessible aussi sur les réseaux Internet, pour 700 000 exemplaires. Mais bon, il fut un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, où les frais postaux de notre collectivité étaient 100 fois supérieurs et où nous recevions des tonnes et des tonnes de papiers pour notamment cette session du budget primitif. J'ai le souvenir que le facteur chez moi s'en plaignait. Nous avons fait d'énormes progrès en matière d'économie budgétaire sur ces postes-là et nous continuerons de le faire et nous tiendrons compte de cette sollicitation. Voilà, donc je propose de mettre aux voix ce dossier communication. Le scrutin est ouvert. Eh bien voilà, 62 votants, tout a bien fonctionné, donc 32 favorables et 30 qui ne participent pas au vote. Merci, le point suivant est un point d'information sur l'exercice des délégations de compétences qui me sont données par vous-même, et donc je vous demande, vous en avez eu connaissance de l'ensemble des éléments liés à l'ensemble des procédures qui sont engagées, donc je vous demande d'en prendre acte. Ce dossier ne fait pas l'objet d'un vote. Je vous propose que nous puissions aborder encore un ou deux points que nous reprenions pour débattre des parties budgétaires, peut-être en début d'après-midi. Marcel Verger, pour le dossier bâtiments départementaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Je vais donc vous présenter le rapport intitulé les bâtiments départementaux qui concerne autant la gestion et la modernisation de notre patrimoine immobilier hors collège public. Notre politique patrimoniale vise à optimiser cette gestion du parc immobilier. La rationalisation, la mutualisation, l'innovation s'intègrent dans cette démarche d'efficience visant à réduire les charges générales de la collectivité tout en travaillant sur la proximité, l'amélioration des conditions de travail du personnel et surtout l'accueil donc des usagers. Dans le contexte actuel de la relance de l'activité économique, ce sont 1,8 million d'euros que le département prévoit de mandater chaque semaine
toutes dépenses confondues pour les politiques collèges et bâtiments départementaux pour participer au soutien de la filière bâtiments et travaux publics. C'est un patrimoine de plus de 300 sites immobiliers destinés à accueillir nos agents et nos principaux partenaires pour une superficie de près de 40 hectares. Il est réparti sur l'ensemble du département, mais avec une forte concentration sur la délégation de Nantes, celle de Châteaubriant, du fait des maisons éclusières, puis vient en troisième position celle de Saint-Nazaire. Cette action immobilière est particulièrement transversale au niveau des politiques publiques départementales, puisque de nombreux projets participent à l'atteinte de leurs objectifs. Effectivement, les principaux chantiers que nous allons finaliser, engager ou préparer en cette année concernent notamment la reconstruction du centre départemental enfance et famille à Saint-Sébastien sur Loire, qui s'achève en mars prochain. L'acquisition du nouveau siège de la maison départementale des personnes en situation de handicap à Saint-Herblain, dont la construction est aujourd'hui très avancée. Les constructions des nouveaux centres d'intervention routiers en cours de préparation, notamment on peut citer celui de Pornic, celui de Derval. Et là, nous avons une réalisation concrète qui intègre la zéro artificialisation nette. Et celui de Blain qui sera doté d'un calendrier pour le lancement de concours de maîtrise d'œuvre dans quelques semaines. La modernisation de nos espaces départementaux de solidarité à Nantes, notamment sur le site de la rue des Pénitentes et à Pontchâteau, comme l'acquisition des bureaux à Saint-Nazaire pour le syndicat des ports de la Loire-Atlantique. Nous avons également l'extension de la maison du lac à Bouet, qui a été l'objet de présentation lors de notre session, et la construction du nouvel espace canal à Blain, qui vous a été présenté également en session par notre collègue Bernard Lebeau, projet qui illustre fort bien la totale transversalité de nos actions. Sur le plan culturel et patrimonial, les débats de ce matin lors des rapports présentés par notre collègue Catherine Touchefeu ont abordé les principaux projets intégrés dans nos politiques culturelles, grand patrimoine. Ce sont des projets fondamentaux pour faire société. Je mentionnerai en complément la poursuite de la restauration de l'abbaye de Blanche-Couronne de la Chapelle d'Aunay, tout en également mentionnant la mise en accessibilité du donjon du château de Châteaubriant et de la villa de la Garenne-Lomeau qui est en cours de préparation. Je ne voudrais pas oublier la réhabilitation des sites de Folies-Sifflet et du château de Châteaubriant, surtout dans sa partie Renaissance. Dans le même temps, les travaux tiennent bien compte de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée des bâtiments au titre du handicap sur une série de bâtiments et activement réalisés, puisque mi-parcours de l'agenda, 50% des bâtiments ouverts au public sont déjà accessibles. Nous devons noter l'effort important dans la réhabilitation énergétique des bâtiments, qu'on peut citer à Sully 1 et Sully 2, et également dans un futur proche du laboratoire Innovalis à Nantes, qui est considéré comme notre bâtiment le plus énergivore sur notre parc bâtimentaire. Enfin, notre collectivité se distingue depuis quelques années dans le domaine de la maîtrise énergétique de nos bâtiments, avec une baisse de plus de 23% de nos consommations sur 8 ans. Dans le même temps, la part des énergies renouvelables dans nos consommations a déjà atteint un niveau de pratiquement 24% en 2020. 5,9 millions d'économies estimatives cumulées ont été enregistrées sur la même période. Ces chiffres qui présentent des moins très positifs
dans notre budget confirme l'efficacité des mesures prises dès 2021 pour réduire nos consommations de notre empreinte environnementale. Peu de départements peuvent présenter aujourd'hui un tel bilan de maîtrise énergétique. L'effort d'investissement sur les bâtiments départementaux pour l'année en cours s'élève à plus de 41 millions d'euros et représente 18% de nos investissements. Les crédits de fonctionnement de 7 millions complètent ce dossier pour un montant global de dépenses pour nos bâtiments de plus de 49 millions d'euros. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Je vous remercie. Merci. J'ai une demande, des demandes de parole. La parole à Freddy Hervochon. Oui, bonjour Président, bonjour Monsieur le Vice-Président, cher Marcel. Simplement un coup de zoom sur ce rapport, comme le disait Monsieur le Vice-Président, le caractère exemplaire du travail qui est mené en termes de maîtrise énergétique. On l'a dit, c'est quand même un enjeu majeur. Je tenais quand même à souligner quand même que depuis 8 années, hein, c'est un travail de marathon, de course de fond, hein, puisque ce travail il a été mené depuis 8 ans suite au recrutement d'une équipe d'économie d'énergie spécifique. Et ça, c'est un point aussi important qui explique la réussite dans ce travail, hein, puisque, comme l'a dit Marcel, c'est une baisse de plus de 23% des consommations d'énergie. Comparé à l'objectif qu'on s'était fixé, nous avions fixé une baisse à l'époque, il y a 8 ans, de 20% pour 2020. Nous sommes conformes, voire amplement au-delà des objectifs que nous étions fixés. Quand on voit ce que ça représente, c'est énorme, puisqu'on voit le tarif de l'électricité, le tarif de la molécule de gaz. C'est des économies en euros, on y reviendra, importants. Pareil, je tiens à souligner aussi que nous étions fixés des objectifs pour diversifier notre consommation avec de l'énergie renouvelable. Comme le disait Marcel, c'est pratiquement 24% d'énergie renouvelable par rapport à notre consommation d'énergie globale. Et ça, ça a été essentiellement dû au raccordement des bâtiments sur les réseaux de chaleur, le recours direct à de la biomasse et l'installation de production propre, hein, photovoltaïque notamment, sur les toitures du bâtiment et le recours de l'achat d'électricité verte. Donc au global, tu l'as dit, mais les économies générées, c'est plus de 1,5 million TTC par rapport à notre année de référence 2011-2012. Et ça, c'est du fonctionnement, charge de fonctionnement. Et ça, je sais que Marcel est très sensible à la maîtrise de nos charges de fonctionnement. Et en cumulé sur 8 ans, les économies qui ont été générées par ce travail, ils s'élèvent pratiquement à 6 millions d'euros, donc bien au-delà des objectifs qui avaient été assignés à l'époque, qui étaient de 150 000 euros lorsque cette cellule d'économie d'énergie avait été créée. Donc, j'en profite vraiment pour remercier cette équipe, même si ça fait partie du lexique de Ouest France, mais c'est vraiment sincère parce que c'est un travail important et qui me dit, moi, cette équipe a fait le job et ce, bien au-delà des objectifs. Donc, vraiment, bravo. La parole à Gatien Meunier. Oui, Président, juste une explication de vote pour dire que nous voterons ce dossier, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, il y avait des désignations de représentants du groupe pour le CIR de Blain, mais je pense que vous l'avez pris en compte par le cadre des interventions. Voilà, je vous remercie. Merci. La parole au rapporteur. Micro, Marcel. Voilà. Oui, merci. Ça fonctionne mieux avec le micro. Tout d'abord, merci Freddy pour
se mettre le point sur des situations sensibles que sont l'économie des consommations d'énergie dans nos bâtiments. Bien évidemment, le département poursuivra son engagement pour réduire l'ensemble de ses décharges locatives et les consommations des énergies en fait partie, pour continuer à promouvoir et à rechercher des constructions qui s'inscrivent totalement dans des économies d'énergie et peut même avoir des, comme on le précisait sur l'espace canal futur, que ce bâtiment sera proche de la production d'énergie intrinsèque avec ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive. Donc, oui, voilà, le département s'inscrira et continuera dans cette dynamique. Et à ce titre, je voudrais remercier l'ensemble des équipes du département qui travaille constamment sur chaque dossier, parce que le gain d'énergie se situe dans des approches très fines qu'on ne voit pas forcément, et ça demande un suivi, une anticipation dans la conception autant que dans la réhabilitation pour obtenir ces dynamiques de diminution des consommations d'énergie. Voilà, je voudrais encore renouveler l'ensemble de mes remerciements à l'ensemble des équipes de la direction des patrimoines et immobiliers. Merci. Je propose de mettre aux voix ce dossier. Le scrutin est ouvert. Et pendant la durée du vote, je voulais vous informer et informer le rapporteur que nous allions suspendre la séance et que nous reprendrons nos travaux à 14 heures précises. Merci. Il manque le vote de Madame Catherine Siron. Je suppose que... Monsieur le Président, j'ai son pouvoir. Ah, voilà. Donc favorable. Merci. Donc oui. 62 pour. Voilà, je suspends la séance. Je vous dis, je vous donne rendez-vous à 14 heures. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. À tout à l'heure. Merci.